Talent en liberté, une émission présentée par Christian Lebon. Et oui. Merci la foule. Mais on est très heureux, évidemment, d'être tous réunis pour faire la fête, évidemment, par les pleins d'artistes, ici à Radio Armada, votre radio, bien évidemment. Heureux de vous retrouver sur cette radio web qui est devenue la vôtre maintenant, car je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Quel bonheur que de passer ces quelques heures avec vous, en compagnie de personnalités qui ont accepté mon invitation. Un programme varié, mêlant des artistes d'univers différents, mais ayant comme dénominateur commun le talent. Et oui, de la mode, de l'élégance, en passant par l'écriture ou la chanson, nos artistes vous feront vivre leur passion. Et je serai accompagné par mes complices de micro. Tout d'abord, la douce, la talenteuse, la sucrée, la merveilleuse, la... Ah, je ne sais plus quoi dire. Oh, j'ai mis ton... Aurore, Aurore, il était bon. Aurore. Bonjour. Alors Aurore, on a le temps. Hein, là. Ah oui, on va être bien là. On peut se parler cet après-midi. Sympa. Alors dites voir, c'est quoi votre tatouage que vous m'offrez aujourd'hui sur le sein gauche? On va rester sur des fleurs pendant tout le mois de mai. Ah oui, alors ouais. C'est quoi, c'est du musée, je crois que c'est... Comment ça s'appelle cette fleur? Mais il faut demander à David Rébier. Je sais pas, c'est pas une rodoncule, non? Une quoi? Ah ben, si vous dites ces choses-là, adressez-vous plutôt à Anthony. Elle a un de ses renoms, celle-là. Bon, j'en sais rien, en tout cas, elle est bien ouverte, elle est fleurie. Elle est belle, en tout cas. Voilà, elle est en noir et blanc. Mais vous ne faites jamais de couleur? Bah si, j'en ai fait il n'y a pas très longtemps, tu regardes pas mes seins? Ah, c'est vrai. Mais oui, excusez-moi. C'est toi qui dois faire les couleurs, Christian. Nous aurons également David Rébier. Bonjour, David. Bonjour, Christian. Bonjour à tous. Heureux de vous recevoir, mon cher David. On va être gourmand aujourd'hui. Ah oui, on va. Après ce qu'on vient d'entendre, oh là on là, peut oh là être là là aujourd'hui. Oh, ça va être gourmand, ça va être gourmand. Nous avons également Dominique Paravano, juste à côté bonjour de moi. À voilà, tous. Approchez-vous bonjour du micro, mon cher Dominique. Ravi de vous retrouver. Ouais, très bien. Alors, Vartoche, reconnu, aimé, adulé par le public. Avec sa moustache frémissante, ah, n'est-ce pas? Ah oui, et sa bouche pulpeuse. Ah bah, dis donc. et puis, nous aurons aussi, bien sûr, Anthony. Oh, bravo. Merci. Alors, au programme, allez, demandez le programme. Vous voulez le programme? Oui. Vous voulez savoir ce qui va se passer aujourd'hui, mais j'entends rien. Oui. Oh, bah, ne criez pas comme ça, je suis pas sûr. Malgré mon vieillage. Bon, au programme, demandez le programme. Eh bien, nous allons commencer par Madame Sylvana Lorenz, qui est ici, voilà. Créatrice de galerie d'art, responsable de communication de l'espace Cardin. Celle qui a passé des décennies auprès de cet homme secret, discret, fragile et si précieux à ses yeux, celui qui fut son seigneur, Pierre Cardin, tout simplement Pierre Cardin, qui lui a légué ses mémoires et que l'on découvre dans le dernier ouvrage de Sylvana, Madame Cardin. Voilà, on en parlera aux éditions L'Archipel. Applaudissements s'il vous plaît pour notre invité d'honneur. Ça me fait grand plaisir de vous avoir avec nous, Sylvana. C'est plaisir partagé, vraiment. Hein, nous allons maintenant, nous allons recevoir également dans quelques instants, eh bien, Tillade. Alors, Tillade est un chanteur, auteur, compositeur. C'est un artiste que j'ai eu l'occasion à maintes reprises de présenter. Notamment, je me souviens avec Magali Vahe, qui avait gagné, entre autres, c'est le tremplin des talents, certes, mais aussi, surtout, la Starac. La Starac, hein, c'est plutôt pas mal. Et je sais que vous faites des duos, vous travaillez ensemble. C'est toujours le cas, j'imagine. Toujours. Bah, je produis aujourd'hui Magali. Donc, oui, ah, vous produisez. Ah oui, d'accord. Ah, oui. Donc, ça, ensemble, ouais. Donc ça marche très bien, le showbiz, si ça, je comprends. Ça va. Vous lui transmettez. Mettrez toute notre amitié, vous l'embrasserez très fort parce avec que c'est vrai que Magali a débuté avec nous au tremplin. Très jeune, elle avait 10-11 ans, elle venait nous voir en tremplin. Tous les dimanches soirs. Et elle aimait ça, la scène. C'est au canotier du pied de la butte et tous les dimanches soirs, elle venait, elle chantait. Elle a fait l'Opus Café, plein d'endroits. Avec plein de scènes. Ouais. C'est une artiste fabuleuse, vous avez la chance de la produire. Oui, tout à fait. Elle va vous rapporter beaucoup de sous. Et vous-même, vous êtes un artiste, bien sûr, que l'on connaît, que l'on aime beaucoup. Et il y aura les rubriques. D'abord, oui, Sylvana, je ne vous ai pas tout dit, mais regardez bien cette dame au tatouage surprenant. Elle s'appelle Aurore, ça, on l'a dit. Ça, c'est bon. Mais elle a une rubrique coquine, c'est notre coach Love, figurez-vous. Ça ne m'étonne pas. D'accord, dites tout. Déjà, quand on la voit, elle est surprenante, mais alors après, quand elle explique qu'elle a sur son sein des fleurs qui changent à toutes les saisons. Oui, parce que c'est un faux.
Il s'agit d'un c'est complice un faux. C'est un faux. Je crois que c'est un vrai. Moi. Tu fais bien le doute. Bon. Ça fait pareil, ça fait le même effet. Voilà. Ça fait le même effet. Hein. C'est... Alors, aujourd'hui, donc... on va parler polyamour. Ah, tout un programme. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez nous dire. On va développer ça ensemble. Oui, mais on va découvrir. Hein, on va développer moi, je connais ça. La tendance, Dominique. Moi, ça me plaît bien, c'est la grande tendance, Dominique. Approchez-vous du micro, qu'on vous entend bien. C'est la grande tendance. Et moi, ça me plaît plutôt bien. Vous pratiquez, non. Non, bah non, bah vous dites que c'est la grande tendance. Moi, je connais cette tendance, si vous savoir. C'est une tendance. Non, non, mais bon, c'est une moi, je connais bien. Vartoche. Alors ensuite, il y a le truculent et insolent, mais celui que l'on aime beaucoup, le délicieux Vartoche, avec sa rubrique dans la caboche de Vartoche. Mais que qui il y a quoi dans la caboche de Vartoche Alors vas-y. Dans ma caboche, il y a un chanteur qui est à côté de moi. Ah. Belle caboche. Et on parlera de De Tillade. De Tillade et de son activité. Et de tout ce qui le concerne. Très bien. Le dossier est lourd, j'imagine. Oui, voilà. Tu pensais parler que musique. Il y a quoi dire. On m'avait pas dit ça au départ. Ah, tu pensais qu'on allait parler musique, hein, tu pensais. Et puis, bien sûr, les mises en scène gourmandes de notre ami David Rébier. Alors, rebonjour, mon cher David. Rebonjour, Christian. Alors, dites-nous tout. C'est quoi le programme aujourd'hui? Ah, le programme, il est joli parce que nous attaquons le mois de mai. Et le mois de mai est riche en beaux produits. Ah, joli mois de mai qui arrive. Les voilà, les beaux produits qui nous séduisent visuellement, qui nous envoûtent olfactivement et qui nous transportent gustativement. Les fruits, les légumes, les viandes, les poissons. On va, cher Christian... frétiller côté papille. Ah ben moi je veux bien frétiller. Ah. Ça c'est sans le poisson qui frétille. À nous deux ça va frétiller. Oui mais enfin quand on est pas trop quand même s'il vous plaît. Oui, mais, enfin quand il nous arrive de nous retrouver à table ensemble vous c'est frétillez vrai. Quand même vous oui, aussi Anthony. On frétille, c'est vrai. Vous faites des très bons mets. J'aime beaucoup cette période parce que c'est l'arrivée d'une demoiselle extraordinaire, d'une demoiselle à qui on doit un respect immense et une demoiselle qui, comme un joyau, se mérite, c'est la Maurie. La jolie Maurie. Alors, je vous emmène un petit peu dans mes bois du Haut-Jura, proche de la Suisse. Et là, au détour d'une balade, au détour d'un chemin, elle va s'offrir à vous. Elle est belle, avec son petit côté spongieux. On va la ramasser. On va bien évidemment la faire sécher. Pour qu'elle nous redonne ensuite toutes ses saveurs et sa subtilité. Et bien évidemment, ça c'est très 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 important. La morille doit être séchée, puis cuite, afin de tuer ce qu'elle a en elle, qui à la base peut, chez certains sujets, tuer. Elle a une toxine qui est très 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 dangereuse. La morille ne se cuisine jamais crue, jamais cueillie. D'accord. Il faut toujours la faire sécher. Bien évidemment, ensuite, on va la réhydrater. Et ensuite, on va la manger. La travailler de telle et telle manière. C'est une erreur qu'a fait un commissaire-priseur très connu, François Tajan, qui est mort. Et je suis allée à son enterrement il y a seulement 3 ans. Un garçon magnifique qui avait la cinquantaine et qui avait une carrière merveilleuse. Il avait mangé des champignons desséchés. Et je pense maintenant, c'est vous qui venez de m'y faire penser, que ça devait être une morille à toxique non tuée. C'est très grave quand même. Ah oui, ça vous emmène. Ouais, ouais, ouais. Bah, dis-donc, moi qui aimais les morilles, ça va. Je crois que je vais avoir moins faim. Il faut respecter le procédé. Ah oui, ça c'est... Il amène la morille, mais en fait, compte, en ce 4 juin, on aura aussi la morue à la portugaise. Ah oui, mais ça... Ah oui, ce sera on va voir ça, bien sûr. Ah oui, absolument. Elle fait dessécher la morue. Ah oui, elle fait dessécher aussi. Nous aurons après notre ami David Rébier, ici présent, regardez, le délicieux Dominique Paravano. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors vous êtes journaliste, on vous connaît bien évidemment. Alors Dominique Paravano a fait de très beaux articles, vous le savez. Il a fait un article sur moi et je le rencontre aujourd'hui. J'avais déjà beaucoup apprécié, mais je lui dis merci.
Voilà. Alors, Dominique fait des doubles pages dans un hebdomadaire qui s'appelle France Dimanche. Mmh. Voilà. Et c'est, en règle générale, c'est en fait journal, hein, mais oui, quelquefois au milieu aussi. Oui, bon, ça dépend. Et il écrit merveilleusement bien. Et puis, il parle surtout de ces artistes disparus. Mmh. Voilà. Et, ou pas. Ou pas, oui, mais quelquefois... Ah oui, parce qu'il a fait un morceau de Maurice. Excuse-moi de te préciser. Non, mais en l'occurrence, c'était dans une rubrique pour porter un éclairage sur l'ouvrage de Madame Sivana. Mais voilà, mais on est très heureux de vous avoir, mon cher Merci, Dominique. Merci, mon cher Christian, c'est un plaisir de partager. Pour parler ensemble. Et pour terminer, regardez, ce garçon, toujours célibataire. Oh, ben oui. Mais attention... On va le dire, Christian, on va le dire... Mais alors, il est surtout découvert de talent depuis de nombreuses années, puisqu'à vrai dire, on se connaît depuis une trentaine d'années. Il organise des tremplins un peu partout en France comme à l'étranger. Artistes, ouais. Des milliers d'artistes, vous savez, on a pu rencontrer. Et puis certains vivent de ce métier, c'est, de c'est cette C'est tout ce passion. Qu'on leur souhaite, hein, c'est justement de réussir et de faire un long parcours, voilà. Une carrière dans ce métier qui est loin d'être évident. Simplement. Et nous avons le tremplin des talents, voilà, que l'on organise sous forme de sélection d'artistes, et c'est en public. Voilà, et je mets en avant des artistes qui ont gagné le tremplin, justement. Les premiers, c'est un duo qui s'appelle Jest and West. Ils vous interpréteront leur chanson tout à l'heure. Et le deuxième est un artiste soliste qui nous vient du Nord, Quentin Goncalves. Tout à fait. Tous voilà. Auteurs-compositeurs, des gens merveilleux, vous avez une belle carrière et qui nous font le plaisir de chanter en direct. Parce qu'ici, on chante en direct, sans filer. Eh oui, ça se passe comme ça. Et ça sera donc en fin d'émission, ou presque en tout cas. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un vous présente ? Oui. Moi, c'est la première fois que je vous vois. Je trouve que vous êtes peut-être le fils de Charles Trenet. Ah, il y a du mélange en tout ça. Mais vous savez, ma chère Lorenza, pour vous non, qui me connaissez, Sylvana, Lorenza, vous parlez de Lorenza. Mais ça arrive souvent. C'est très joli aussi. Et ça vous va à merveille. Mais dites-moi, vous savez, Charles Trenet, je l'ai connu pendant près de 20 ans. Voilà. Et j'ai sur vous. Ouais. Et j'ai écrit un livre sur Charles, bien évidemment. Je travaille avec lui. C'est un être qui est très cher, toujours dans mon cœur. Et c'est peut-être pour ça, oui. À force de l'avoir fréquenté, d'avoir travaillé avec lui, d'avoir partagé des moments extraordinaires. Ben voilà, c'est ça. La folie un peu de Charles Trenet, en toute simplicité, évidemment, chez moi. Mais en tout cas, j'ai toujours plaisir à recevoir des artistes, toujours plaisir à être sur scène ou devant les caméras, en tout cas avec des gens merveilleux comme aujourd'hui Armada. Voilà. Eh bien, nous allons commencer le programme. Attention, mesdames et messieurs, ça va commencer. Et les nous revenons sur s'amuser. David Rébier. Voilà, et pour nous mettre un petit peu en appétit. Hein. Oui, voilà. Je reviendrai... Voilà, on va lancer le jingle. Bien sûr. Allez, musique, s'il vous plaît. Les mises en scène gourmandes de notre ami David Rébier. C'est pour maintenant. Et alors, je vais rebondir sur la morille en vous regardant, chère madame, après le fait divers ô combien morillesque dont vous avez parlé il y a quelques minutes de cela, je peux vous garantir d'une chose. Si nous avons un jour l'occasion de nous croiser et que je travaille les morilles avec une volaille de Bresse, une crème fraîche de Bresse AOP détendue avec un vin jaune, vous ne passerez à aucun moment de vie à trépas. Eh bien écoutez, alors, qu'à cela ne tienne, c'est quand vous voulez. Belle promesse déjà. Le mois de mai, cette jolie saison, parce que les mises en scène gourmandes, c'est avant tout l'aude aux beaux produits de terroir. Il n'y a pas de belle cuisine sans beaux produits et les tableaux de séduction des sens que je peins, les partitions que je crée sur mon piano culinaire, ne peuvent se faire qu'avec de jolis produits. Le chou-fleur, les oignons, les endives vont faire leur jolie entrée. En ce mois de mai, nous avons le poireau. J'ai une affection toute particulière pour le poireau nantais, qui est vraiment produit avec une dénomination géographique bien précise.
J'avais eu l'occasion de le faire découvrir à Fabienne Thibault. Je l'avais travaillé en esprit un peu compoté. Je l'avais détendu avec une pointe de cidre. Et tout ça nous faisait un petit canapé sur lequel je venais déposer une noix de Saint-Jacques juste flambée. Vous parlez bien de Fabienne Thibault. Oui. Non, c'était pas Fabienne. Hein. C'était la Saint-Jacques. C'est elle qui s'est détendue. Et je peux vous garantir. Elle s'est pas étendue, Fabienne. C'est une façon de nous mettre en appétit. Et je peux vous garantir qu'à aucun moment après la dégustation, Fabienne n'a été stone. Bravo, très bien. Vous rattrapez bien, mon cher David. On me tend quelques perches, oui, on glisse les cuisettes, donc j'y mets dedans quelques bricoles. Nous avons les fruits qui sont jolis, la fraise est en train de venir de plus en plus nous séduire également, et puis on va avoir bien évidemment la cerise qui va arriver à la troisième semaine. Ce qui est très intéressant pour les deux fruits que je viens de nommer, c'est qu'ils sont riches en vitamine B et C et très très bons également pour le transit. Ce qui n'est pas inintéressant de se régaler et de prendre soin de soi en même temps. On a la rhubarbe également qui va arriver, qui est riche en fibres et à l'instar de ce que beaucoup de personnes peuvent croire, la rhubarbe n'est pas un fruit, mais c'est un légume. La rhubarbe, tout comme d'ailleurs les premières vraies tomates qui vont arriver, qui sont également, à l'instar de beaucoup de gens qui peuvent croire également, pas forcément fruits ou légumes. Parfois les gens, c'est sympa également de temps en temps de parler un petit peu de produits. Et alors, après la demoiselle divine morille, on va aller vers l'asperge. Alors l'asperge, qu'elle soit verte... qu'elle soit blanche, qu'elle soit violette, non. Elle est quand même assez subtile. Moi, j'ai... quelque chose avec l'asperge ou... Qui a quelque chose? Je ne sais pas, tu nous as sorti l'asperge. Oui, parce que moi, je suis de la région de la Sologne, ma chère amie. Il y a de très belles asperges blanches en Sologne que j'adore. Tout à fait. On va chercher des bottes d'asperges. Des bottes d'asperges, absolument. C'est la région et c'est la saison. Absolument. Moi, je suis amoureux de l'asperge blanche des Sables des Landes. Chacun sa région. D'une part, très belle par rapport à... Quand on la regarde, bien évidemment, elle a ce côté un peu blanc, nacré, qui est vraiment génial. Et puis, elle a cette petite présence très, très légèrement iodée, hein, du fait qu'elle soit dans un sable qui est un peu agrémenté par de l'eau salée. Et ça, c'est chouette. Et bien évidemment, il y a également tous les embruns qui lui donnent une personnalité assez sympathique. Alors... quand j'ai la chance d'avoir ces demoiselles avec moi en cuisine, eh bien, je vais les travailler, par exemple, tièdes, moelleuses, fondantes, juste laquées. On quitte la cuisine, on part du côté des peintres, juste laquées avec une huile de noisette du Piémont. Et là, mon cher Christian, c'est pas mal. Alors, il y a également une autre manière. Tu les manges tièdes, alors? Oui, voilà, c'est ça, c'est tiède. Hein. Tiède et également qui sont... mais pas trop dures. Très, très sympas. Ah non. Moelleuse, fondante, bien évidemment. Normalement, la queue de l'asperge est dure à ramollir. Moi, j'allais parler du goût. Non, mais quelquefois, non. Non, mais... c'est pas tout à fait exact. Non, ça dépend des asperges. Non, mais j'essaie d'en cuire. On parle de cuisine. J'ai essayé d'en cuire plusieurs fois. Mais autant j'arrive bien. Hein. La pointe et la tige, j'ai bien réussi. Mais la queue est restée quand même très, très dure. Et j'avais peur que ma pointe soit toute molle si je. Enfin, trop molle si je. En fait, j'ai l'impression, chère Aurore, que dès l'instant où on effleure avec vous la queue, elle reste dure. J'ose espérer. Automatiquement, le sujet de conversation devient très riche. J'aurais presque tendance à dire, il enfle. Mais c'est une vraie demande que je te pose pour la cuire d'une manière homogène. Tu conseilles quelle cuisson? J'étais vraiment dans la cuisson. On a l'esprit mal tourné, vraiment. Dans cette oui, c'est pas le cas d'Aurore. Oh, non. Alors, il y a deux possibilités de les cuire. Soit on les fait cuire dans de l'eau, hein, dans de l'eau frémissante, ou bien moi, ma manière avec laquelle je les cuis, je les cuis en vapeur. Je les mets dans un panier, avec à l'intérieur de mon bac, j'y mets parfois du laurier, j'y mets, selon comment je veux leur donner un petit peu une âme de parfum à la cuisson. J'aime beaucoup le laurier. C'est très intéressant parce que cette vapeur comme ça qui vient caresser l'asperge, qui va lui apporter cet aspect moelleux fondant, lui confère un petit peu cet esprit également de la feuille de laurier. Alors,
tout ça, chère Aurore, va avec, on va encore rire, le diamètre de la chose. Je comprends bien. Oui, c'est pour ça qu'on est bien fait. Mais pour souvent, le diamètre de la queue et de la pointe est relativement à peu près. Elle montre le diamètre, elle dit que ça fait ça. Hein. Oui, mais c'est selon le choix. J'aime beaucoup Vartoche qui est en train de s'effondrer, c'est très drôle. Non, mais parce que j'en ai raté des cuissons, parce que ma pointe était trop molle et ma queue était trop dure. Et c'est dommage parce qu'à la dégustation, du coup je me dirige vers la verte. Oui. Et je pense que je suis passée à côté de la blanche. Alors, très certainement. C'est une question de couleur. Mais c'est bizarre parce que moi, de mon côté, en cuisine, je n'ai jamais eu de problème avec la queue. Jamais. Vous savez, ma chère Aurore, je pense qu'il faut absolument qu'on se retrouve en cuisine. On mettra Anthony au milieu de nous deux, en arbitrage. Pas queues, moi, hein. C'est une histoire entre vous, ça. Alors revenons à ces demoiselles. Une des choses très importantes, par rapport à entre 15 et 20-25 minutes, c'est selon le diamètre de l'asperge. C'est ça qui est très très important. Mmh. Et puis, chère Aurore, n'oublions pas une chose, quand on est en cuisine, on n'est pas ailleurs. Une petite pointe très discrète de couteau, on va tester un petit peu le moelleux, le fondant, on sent. Comment ça se passe? Voilà. Au pire, on en enlève une petite partie qu'on déguste. La cuisine, que ce soit sur la cuisson, sur l'assaisonnement, on est toujours face à ce que l'on fait, on teste, et puis on fait en sorte d'arriver à ce que l'on considère le mieux. J'ai également une très jolie recette d'une asperge en wok, agrémentée avec un magret de canette des Landes. Ah, oui. Ouais, ça c'est assez séducteur. J'ai également l'asperge des Landes habillée avec un jambon serrano, tendrement déposé sur une sauce mornay, béchamel avec une petite pointe de fromage. Et puis on va terminer cela avec un petit peu de fromage râpé. Oserais-je dire un petit peu de comté du Fort des Rousses à 18 mois. Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a au départ l'acte 1, nous sommes sur du croustillant à souhait, et ensuite pour l'acte 2, on est sur du moelleux et du fondant. On est totalement transporté par la mâche, par ce qui se passe en bouche. Et ça, c'est une jolie cuisine parce qu'on est séduit. Et on apporte également de la séduction aux personnes qui partagent ces mets avec nous. Et ça, c'est génial. Ah, mais quand est-ce que vous m'invitez? Ils ont fait à tout le monde hein, quand ils parlent. Hein. Voilà, en tout cas, on viendra vous voir. J'ai compris que vous alliez faire maintenant un minimum avec notre ami Aurore et que vous allez faire de jolis plats pour nous. Le temps d'aimer. Attends, on terminera comme pas ça. Fini, le temps d'aimer. Le temps pas fini. J'attends la morue à la portugaise. Et puis effectivement, on a la petite photo qui va arriver. Alors effectivement, on a cette morue à la portugaise. C'est un plat qui est intéressant parce qu'il commence à appeler un petit peu les beaux jours. Alors on a un petit peu de pommes de terre. On a un peu de morue dessalée, des échalotes, un peu de gousse d'ail, du lait, des œufs, un peu de paprika, de l'huile d'olive. Alors, on fait cuire les œufs durs qu'on met de côté. Dans une casserole à ébullition, on met la morue à infuser. Alors, ce qui est très important, c'est qu'on porte l'eau à ébullition, on met les morceaux de morue dedans, on couvre et on arrête le feu. Ça, c'est très important. C'est une cuisson, ce qu'on appelle sans agressivité. Toujours de la tendresse, Christian, vous me connaissez. De la douceur. Oh, oui, de la douceur. Hein. Toujours. On fait chauffer le lait de l'autre côté. On y met la morue rincée pendant à peu près une dizaine de minutes. On épluche nos pommes de terre. On les coupe en gros cubes. On les fait cuire dans l'eau de cuisson de la morue. Et pareto, même chose, elles vont être un peu parfumées. Toujours un petit peu d'association judicieuse, comme cela. Une vingtaine de minutes à petit bouillon. Et puis ensuite, on hache son échalote, les ailes, dans un plat qui va au four. Ou une sauteuse, si on a la chance d'avoir une sauteuse qui peut aller au four. On effiloche la morue, on met dans un plat ou dans la sauteuse avec les pommes de terre. On mélange, on saupoudre un peu de paprika. On met au four, préalablement préchauffé, à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Au bout de 10 minutes, on remue le tout, on amalgame, on transporte dans une valse de séduction des sens les éléments qui ont déjà une première partie de cuisson. Et puis ensuite, on va sortir, on va parsemer un petit peu de persil, de cavre, on va mettre dessus nos œufs. Ah oui, les œufs. On va mettre un petit trait d'huile d'olive. L'huile d'olive, là, a deux interventions. Oui. La première, c'est qu'elle va un petit peu apporter de la brillance, de la noblesse au plat. Et bien évidemment, elle va parfumer. Si tant est, on a une petite huile d'olive portugaise, là,
on est vraiment dans le bonheur. Et puis, il suffit au préalable d'avoir appelé quelques amis qu'on aime pour partager un délicieux moment. La cuisine, c'est de l'amour. Et la cuisine, ça se partage. Et oui, c'est comme l'amour. Le temps d'aimer, on pourrait le dire. Trenet disait ça, le temps d'aimer. Il aurait voulu sortir un restaurant comme ça avec ce nom, le temps d'aimer. Le temps d'aimer. Le temps d'aimer, voilà. Très ça, bon nom. Ça vous va très bien. Allez, encore des applaudissements. Ah. Vous êtes là avec nous, chère Sylvana Lorenz. Ça nous fait grand plaisir. Je ne regrette pas, j'en ai appris sur la morille, sur la queue de l'asperge. Et sur la morille. Alors, je sais qu'en plus, vous organisez des grandes réceptions à Paris. Vous êtes une dame qui aimait accueillir aussi, recevoir. Je suis une metteuse en fait. Une metteuse en fait. Mon terme. Et depuis 30 ans, pour le compte de Pierre Cardin et à ses frais, et c'était un homme très généreux, j'ai organisé de très très belles fêtes. Vous continuez, j'imagine. Alors, avec un budget un peu plus, modeste, j'ai fait une très très belle fête pour la sortie de mon livre Madame Cardin, le 24 novembre dernier, et je crois que ça c'était une belle fête. Je vous ai invité peut-être, non ? Non, je n'ai pas reçu l'invitation. La prochaine fois. Juré caché, on passera vous voir évidemment, ça sera un grand plaisir. Alors vous avez juste à côté de vous un journaliste qui vous a déjà interviewé et qui vous connaît très bien. Et surtout qui a écrit, parce que des journalistes qui interviewent, il y en a beaucoup. Mais des journalistes qui écrivent, à partir ou d'une interview ou d'une lecture, il y en a. Il n'y en a presque plus surtout du tout. Surtout qui lisent les livres. Qui lisent les livres. Alors vous êtes exceptionnels. Voilà. Il y en a tellement qui écrivent sur ce qu'ils n'ont pas lu ou entendu. Donc voilà. Oui. Vous êtes toujours des rétrécis de l'espace Cardin. Mais les journalistes ne s'approchent pas du micro. L'espace Cardin n'existe plus depuis 2015. Voilà, il faut bien vous approcher du micro. L'espace Cardin n'existe plus depuis 2015. Ça n'existe plus. C'était un emplacement qui appartenait, et très peu de gens le savent, à la mairie de Paris. Ah oui. Pierre Cardin n'en était que le locataire à 60 000 euros par mois, ce qui pour Anne Hidalgo était une misère, une poignée de riz. Et elle l'a un peu pressée pour faire des remises aux normes qui dépassaient le million d'euros, alors qu'il avait depuis 1970 cet espace et qu'il avait 94 ans. Donc, à ce moment-là, il a préféré rendre les clés, ce qui est quand même pas très élégant. J'ai joué à l'espace Cardin, moi. Oui, parce dans que quelle pièce Hairspray. Ah oui, mais bien sûr, j'ai vu ça, Hairspray. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit en rentrant, je vous connais. José Wilbur, le père de Je m'occupais de la communication avec le réseau d'Italie. Comme tu vois, c'est marrant. C'est marrant. Mais c'est vrai que Pierre Cardin adorait les artistes et allait ce théâtre. Il recevait beaucoup de compagnies, beaucoup de gens qui avaient du talent. C'était un joli petit écrin, c'est un joli théâtre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était situé... Alors, c'était situé avenue Gabriel, juste en face de l'ambassade des États-Unis. À côté de chez Michel Drucker. À côté de chez Michel Drucker. Et à deux pas de l'Élysée. Oui, enfin, exactement. D'ailleurs, aucun président n'a traversé la rue pour venir nous voir, même lorsque Paul Sarkozy, le père de Nicolas Sarkozy, a exposé, son fils n'a pas traversé l'avenue Gabriel pour voir son papa. Et Pierre Cardin, je me rappelle, a dit il a dû quand même, quand même, mais c'est son père. Et il n'a pas traversé la rue. Les relations, vous savez, familiales. Moi, c'est Alain Delon qui m'a fait découvrir l'espace Cardin. Il était souvent. Ouais. Pour mon plus grand plaisir, c'est tout à fait mon genre, Alain Delon. C'est votre genre. C'est tout à fait mon genre. D'accord. Et vous me rectifiez si je me trompe, c'était également proche de son hôtel particulier au 42 avenue Gabriel. Tout à fait. Alors, c'était un hôtel pas particulier, mais un hôtel public qui était la résidence Maxim's et qui est devenu maintenant la réserve, enfin qui n'appartient plus à Pierre Cardin. Dans lequel allait souvent Alain Delon. Oui, mais beaucoup de stars, beaucoup de stars. Il y avait Jean-Claude Brialy, il y avait Robert Hossein, mais j'ai vu toutes les stars passer. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, j'étais tous les soirs avec des stars.
je les voyais passer. Alors, une coupe de champagne à la main, un petit four dans la bouche. Et ça me semblait à la fin tout à fait naturel, alors que c'était quand même exceptionnel, quoi. L'exceptionnel à l'Espace Cardin était quotidien. Alors, parlez-nous un peu de Pierre Cardin, qui est décédé il y a deux ans. Il est décédé en 2020, parce que d'abord, il avait 98 ans et il est décédé du Covid, ce que très peu de gens savent. Pas, oui. Ah, oui. Et il avait la chambre à l'hôpital américain, près de celle de Kenzo. Ah, oui. Et Kenzo est mort aussi du Covid. Je ne sais pas si les gens le savent, mais enfin, bon, il y a eu quand même quelques morts. Il faut dire qu'ils étaient en bout de chemin et qu'on meurt d'un rhume, peut-être, à 98 ans. Mais c'est vrai que ça s'est peu su qu'il était décédé du Covid. Oui. Alors, il aura eu 100 ans bientôt. Alors, il va avoir 100 ans le 2 juillet prochain. Et il va y avoir de grandes festivités. Vous organisez, j'imagine, les événements. Alors, plus du tout. Je ne fais plus partie de la maison. Mais son neveu, qui est le PDG de la société, Rodrigo Cardin, va organiser le 2 juillet à Venise, ville natale de Pierre Cardin, va organiser le centenaire. On parle de Pierre Cardin, on va peut-être voir justement... Oui, là on va voir un trailer du film Pierre Cardin qui est sorti en 2021. En 2020, tout à fait. Et voilà, donc on va le voir maintenant. Et c'est pour nous sur Armada, maintenant. Qui est cet homme qui a gagné des millions l'année dernière? Son nom est Pierre Cardin. Pierre Cardin, c'est un monument français, c'est l'histoire de la mode. It's just beautiful because it really is kind of amazing. Il s'est pas servi des livres d'histoire pour faire ses créations. Il a inventé un style. In a word, chic. Il est allé le premier en Inde, Japon, Russie, et même il a fait un défilé sur la muraille de Chine. Il voulait toucher le monde entier. Il a mis son nom sur plus de 800 produits. Ça bouge dans la haute couture. Comment un couturier peut faire du prêt-à-porter? C'était révolutionnaire. Dans le fond, c'est ça qui était intéressant. C'est le risque. He was extremely instrumental in being one of the designers to use models of diversity. For that, I thank him. Vraiment, le grand couturier d'aujourd'hui, il est un personnage qui est beaucoup plus profond et qui a des très grandes responsabilités, beaucoup plus qu'on ne le pense. Art, architecture and fashion all being of one piece. Il est structurellement moderne. He's designing for tomorrow because that's where he's looking. Ce que l'on demande à un grand couturier n'est pas de faire une très belle robe bien faite. On lui demande de modifier la face du monde par la structure du vêtement. Comme tous les grands futuristes, leurs œuvres vont prendre de plus en plus de sens dans l'avenir. Je suis toujours satisfait de mon présent, mais je ne me sens jamais arrivé. Et oui, Pierre Cardin. Magnifique. Très joli documentaire. Alors, je dois dire que lorsqu'il a assisté au Châtelet à la projection de ce film, ce fut sa dernière fête. Et ses derniers mots qu'il m'a dit, « Bientôt, je fêterai mes 100 ans et on les fêtera ensemble. » C'est beau. C'est beau. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, on se rend compte que c'était un créateur éminemment moderne. Qui avait toujours d'avant-garde. Complètement. Qui n'est toujours pas dans la rue. Il n'y a pas de femme Cardin dans la rue, sauf moi. Et c'est une mode qui est faite pour les stations interspatiales. C'est Cosmocor, la ligne. Il était très futuriste. Il était très futuriste. Ouais. D'ailleurs, il est dans le film Retour vers le futur. Retour vers le futur. On parle de Pierre Cardin, c'est presque prémonitoire. Mais vous ne croyez pas que la mode est un éternel recommencement? Ou alors peut-être un commencement qui va se faire dans plusieurs décennies en ce qui le concerne. Les autres se répètent, mais lui... Alors que non, on ne l'a pas encore. Lui, on l'a pas encore. Parce qu'on n'a pas encore trouvé peut-être l'identité. Ce n'est pas facile. Oui. Bon. Moi, je ne rentre pas spécialement dans la taille de la mode Cardin. Mais en tout cas, les looks qu'il donne aux femmes et qui donnent envie aux femmes, c'est faut être très excentrique, il faut oser. On n'a peut-être pas encore la structure des femmes qui vont oser porter dans la rue du Cardin aussi facilement. Alors dernièrement, j'ai eu l'occasion d'assister au défilé de Fabienne Thibault de ses modèles. C'était magnifique, ça me donnait envie d'être grosse. Je travaille avec Edmond.
Boublil. Alors vraiment, d'abord, je les ai abondamment applaudis, mais vous leur ferez encore toute. Je ferai passer le message. Vraiment, c'était le grand talent. C'est beau, c'était des couleurs. Parce que bon, quand on a des formes, on s'habille en noir, on essaye de se cacher, mais là, alors on a montré la chair. Elles étaient toutes très belles. Elles étaient toutes très belles. Avec le sourire, des beaux visages, c'était lumineux, c'était joyeux. La femme épanouie. C'était la femme épanouie, c'est ça, avec Edmond Boublil, tout à fait. Vraiment, un grand créateur également. Exactement. Mais je trouve que ce n'était pas que osé ou débridé. C'est-à-dire qu'il a quand même révolutionné la mode masculine, il a imposé le prêt-à-porter. Ce n'était pas que. C'était quand même du portable. Mais enfin, les hommes, c'est très tendancieux. Je veux dire, un homme ne veut pas porter ce genre de tunique, par exemple, pagode, avec la taille en rectangle. Ça fait quand même homosexuel. Et je pense que beaucoup d'hommes ne veulent pas afficher leur homosexualité par le vêtement de cette façon. Ou alors en s'habillant en folle, mais pas forcément en homosexuel, je trouve. Oui, mais avec les jeunes aujourd'hui, on voit que le genre n'est plus si communément admis entre l'homme et la femme. C'est ça. Donc peut-être que la jeunesse va prendre le relais d'une génération qui était peut-être plus coincée, on va dire, et qui justement va et vous permettre de s'ouvrir. Oui, tout à fait, unisexe en même temps. Jean-Paul Gaultier habille bien les hommes en femmes, pratiquement. Mais on n'en voit pas beaucoup des hommes Jean-Paul Gaultier dans la rue. On n'en reçoit pas souvent et on ne voit pas souvent dans le métro. Je pense que, comme dit Anthony, on va plutôt vers une mode unisexe qu'une mode sexuée, finalement. Mais les précurseurs en matière de mode unisexe, de toute façon. Il est précurseur, seul et l'unique précurseur, bien sûr. Le costume Mao aussi. Ah oui, Mao. Pour le coup, c'était pas féminin. Non. Pas du tout. Pourtant, ça a été très à la mode avec le col Mao. Les Beatles avaient peu de gens savent que c'est lui qui a conçu la veste des Beatles avec le col Mao. Et on voit cette photo où ils sont tous les quatre, qui ont à peu près la trentaine. C'était complètement révolutionnaire à l'époque. C'était complètement révolutionnaire et tellement beau, finalement, ça. Et en cuisine, depuis quelques années maintenant, nous avons des chefs en veste de cuisine. Moi-même, j'ai une veste de cuisine en col Mao. C'est magnifique. Pour avoir, entre guillemets, pourquoi pas. Et c'est vrai que pendant des années, on pouvait se dire, le chef de cuisine, c'est celui qui arrive avec la veste maculée, tachée, choses comme ça. Maintenant, il y a une élégance et un chic. Et dans les mises en scène gourmandes que je fais lors de soirées, lors de cocktails, où j'anime un poste, où là, on allume des projecteurs vraiment sur l'excellence d'un produit, bien évidemment, la tenue est importante et j'ai cette veste de cuisine col Mao. Je vous imagine. Ça doit être très, très séduisant. Ben oui, surtout avec les asperges en plus en menu. Alors là, dites voir, qu'est-ce que vous pensez de l'expression « prêt à porter » ? Alors, prêt à porter, je crois que c'est un terme qui est venu quand finalement il s'y est intéressé dans les années début 60. Et alors, c'était quoi ? Quelque part, c'est ce que je dis dans le livre, moi j'ai fait de Pierre Cardin vraiment un personnage très complet. Pour moi, c'était un homme qui était un politique et il faisait de la politique avec la mode. Il voulait démocratiser la mode, il voulait que tout le monde puisse s'habiller. Et non pas que les élégantes en haute couture, il voulait faire descendre la mode dans la rue. Ça, c'était révolutionnaire en 1960. Et c'est donc le prêt-à-porter qui a été la solution, puisque à ce moment-là, il prenait des patrons, et d'ailleurs, ça fait suffisamment de scandales, des patrons haute couture qu'il déclinait en prêt-à-porter. Effectivement, c'était un acte rébellion pour l'époque et ça faisait scandale. D'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre. Il a été sorti de la maison complètement. Avec pertes et fracas de l'ordre des couturiers. Et puis, il en a beaucoup souffert. Mais finalement, après, il a eu raison. Vous voyez. D'avoir fait descendre la mode dans la rue. Il a été également le premier à importer un peu l'art de vivre à la japonaise. Alors, le Japon a été son premier voyage dans sa vie. C'était aussi dans les années 50. Et là-bas, il est comme un dieu. Il est considéré comme un dieu. Et c'est le premier à avoir organisé un défilé Pierre Cardin au Japon. Également en Chine. Et également en Chine, également en Russie. C'est-à-dire, il ouvrait les pays qui étaient maoïstes, communistes. Il les ouvrait. Ça aussi, c'est un acte politique, en leur offrant du luxe. Ce qui le faisait moquer par exemple, l'ambassade de France de Chine, qui lui a dit, vous croyez que ces gens-là n'ont pas d'autre souci que de s'habiller. Ils doivent manger, ils doivent se loger. C'est plutôt ça, leur problème. Et il a dit, on ne peut pas empêcher les gens de rêver. Le
rêve, c'est aussi une nourriture dont on a besoin en même temps que le pain et le coucher. Ça a été le premier à s'implanter en Chine, d'ailleurs, je crois, à la fin des années 70. Le premier, premier couturier. Tout, oui. Tout. Bah, parce qu'un soir, il s'est couché et il a dit, en me réveillant, je me suis rappelé d'un rêve, je vendais un bouton à chaque Chinois. Comme ils étaient 2 milliards, mais ça me faisait un peu de pognon. Et il était très pognon. Hein. Ah oui, et il pensait l'argent. Qu'à ça. Il se couchait le soir en se disant, qu'est-ce que j'ai gagné aujourd'hui? Et il se réveillait en se disant, comment je vais en gagner encore plus? Mais c'est comme ça qu'on devient riche, finalement. Il faut que ce soit obsessionnel. Hein. Ouais. Et donc, il a attaqué la Chine après ce rêve prémonitoire. Ouais. Il avait un bon caractère, il était comment dans il la vie tous les jours? Il était extrêmement difficile. D'abord, c'était un être très très complexe, très difficile. Il imposait une muraille, mais derrière, il y avait un cœur. Et je crois être une des seules à avoir accédé à son cœur, qui était immense, qui était terriblement tendre, mou, comme le bout de l'asperge. Comme c'est bien dit. Ce qu'on ne sait pas toujours aussi, c'est qu'il a réalisé pas mal de costumes de scène. Oui, il a fait. Ah oui, alors il faisait entre autres les costumes de théâtre, enfin de films de Jeanne Moreau. Il a fait avec qui Matahari. Une belle histoire. Alors oui, ça. Oui. Par exemple, le film Matahari, on pourrait l'appeler Matacardin, parce qu'en fait, les vêtements sont, bon, bien sûr, de l'époque, mais il y a toujours un gros bouton, une grosse ceinture qui rappelle son style à lui. Avec Jeanne Moreau, il l'a connue en 62. Alors, c'est elle qui a fait de lui Pierre Cardin, c'est-à-dire qu'elle a fait de lui médiatiquement Pierre Cardin, parce qu'à partir du moment où il a rencontré une star, pour tous ceux qui veulent devenir d'ailleurs... célèbre, je leur conseille d'épouser une star parce qu'à ce moment-là, elle vous met un coup de projecteur pas possible sur votre carrière et à condition que vous ayez du talent, bien sûr. Et à ce moment-là, c'est parti pour vous, c'est formidable. Donc Jeanne Moreau a fait Pierre Cardin médiatiquement. Il a réalisé aussi les costumes de La Belle et la Bête. Et bien sûr, et ce que très peu de gens savent, il a réalisé les costumes de La Bête et la Belle et la Bête puisqu'il était à l'origine costumier. Il a commencé chez Dior, pas chez Dior, mais chez un autre couturier en tant que costumier. En tant que costumier? Oui. D'accord. Il a été chez Bonpuis aussi, je crois qu'il Paquin, a fait ça. Il a été chez Bonpuis, ça c'était ça, à Vichy. Pour son apprentissage. Mais à Paris, il a commencé chez Paquin. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait d'autre comme costume de scène ou des artistes qu'il aurait pu habiller ou... Les costumes de scène, il a produit ses propres costumes. Il a fait Tristan et Isolde, il a produit tous les costumes de Tristan et Isolde. Il produisait beaucoup de Il habillait certaines stars. Alors, il cherchait désespérément une égérie. Je crois qu'il avait l'œil sur Cyrielle Claire, mais elle n'a jamais voulu être l'égérie. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être égérie? Ça veut dire que comme Catherine Deneuve, on ne s'habille qu'en Saint-Laurent. C'est presque un mariage. Et elle n'a pas voulu être enfermée dans cette image. Donc, il n'a pas trouvé d'égérie de son vivant en tant que... C'est quelque chose qu'elle regrettait? Oui, il aurait voulu que ce soit Cyrielle Claire. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle ne l'a pas voulu. Il lui faisait un grand honneur. Et quel regard il portait sur son parcours? Parce qu'il vient d'une famille assez pauvre, italienne, famille de 10 enfants, je crois, de mémoire. Alors, 6. Ils étaient six. Émigrés italiens de la première heure en France. Ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Et il a été... très fier de ses origines, il ne les a jamais reniées, mais il n'a jamais dit qu'il était italien pendant très longtemps. Il ne le disait pas et il ne disait pas non plus qu'il était homosexuel. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas possibles à dire. En 1922, il est né. Oui, bien sûr. Voilà. Et ce n'est que vers le tard qu'il a dit, mais avec sa grosse main, parce qu'il avait des doigts pour un couturier, c'était 5 boudins. Mais je suis italien, moi. Et voilà, du coup, ça a étonné tout le monde qu'il puisse le dire, l'ambassadeur de la haute couture française. Et pour quelle raison il cachait ses origines italiennes? Par rapport à la guerre? Non, pas par rapport à la guerre, mais parce que les émigrés, c'était ceux qui venaient manger le pain des Français. Côté macaroni de l'après-guerre. Il a été traité de petit macaroni, pas de sale macaroni, mais de petit macaroni. Et là, il en a beaucoup souffert. Et ça, en même temps, ça lui a donné un esprit revanchard qui l'a poussé à réussir. Alors, sinon, son côté mécène.
Alors, son côté mécène, c'est très simple. C'est encore de la politique. Mmh. Parce que, bon, le mécénat, c'est de la politique, en fait. Hein. Il s'est installé dans l'espace Cardin, qui était son ambassade. Et là, il produisait la culture. Mais parce que ça valorisait le produit, hein, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faisait de la culture, pour valoriser le produit et finalement, eh bien, vendre encore plus de licences et devenir encore plus riche. Mmh. Oui, c'était toujours son obsession, finalement. C'était toujours son obsession. Alors, un mot aussi sur le château de Lacoste. Alors, c'était le château du marquis de Sade. Oui. Et il s'est entiché de cet endroit, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est absolument sinistre et lugubre. D'ailleurs, nous y avons passé une soirée ensemble. Et il est allé se coucher dans l'aile de gauche et moi dans l'aile de droite. Et toute la nuit, j'ai entendu des bruits de déménagement. Ah oui ? Et alors voilà. Alors au petit déjeuner, il m'a dit « Mais vous avez dormi ?» J'ai dit « Ben non, on a déménagé toute la nuit, mais qu'est-ce que c'est ?» Oh mon Dieu ! Alors je suis descendue au village et il y avait un bar dans ce petit village. J'ai dit « Écoutez, j'ai dormi au château du marquis de Sade hier soir et je vois la tabatière se signer. » Il était encore, vraiment, il faisait encore, son fantôme faisait peur à ce Sade. Et alors je suis allée lui raconter ce que m'a raconté un monsieur. Il m'a dit « Vous savez, le château est construit sur des piliers en bois. Il y a des cavernes avec le vent qui s'engouffre et ça fait bouger les piliers de bois, ce qui vous donne l'impression qu'on est en train de déménager des meubles. » Je suis allée lui raconter en lui disant que ce n'était pas le fantôme, mais il m'a dit « Bon, mais moi, je ne veux plus dormir ici. » Finalement, il a dormi qu'une seule soirée dans son château du marquis de Sade. D'accord. Et qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? Alors, il est toujours dans la maison. Mmh. Il fait partie de la succession. Mmh. Et la succession, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'héritiers. Est-ce que c'est une succession facile, justement ? Déjà, quand on est deux, on s'étripe. Alors, quand il y en a plus de deux, vous pensez bien que ce n'est pas facile. Moi, je ne suis pas au courant, vraiment. Mais je pense que les successions, c'est toujours compliqué. C'est l'héritage infernal. Surtout quand le gâteau est très gros. Surtout lorsqu'il y a de l'argent derrière tout ça. Un très gros gâteau à se partager. Alors, ça se partage comment, l'héritage de Cardin ? Mais je ne sais pas, moi je ne suis pas notaire et pensez bien que la famille ne vient pas me dire à moi ce qu'il en est. Je n'en sais rien. J'espère qu'ils finiront par se mettre d'accord et que la maison survivra. Parce c'est que c'est ça l'enjeu, c'est de sauver la marque et la maison. Rien n'a été fait deux ans après ? Rien n'a été réglé ? Peut-être, mais moi je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Et un mot sur le Palais Bulle, vous y êtes allé aussi ? Le Palais Bulle, j'y ai passé tous mes étés pendant 30 ans. Et j'avais même ma petite suite avec la baignoire ronde, le lit rond. C'est un endroit incroyable. Incroyable. Ouais. Et là encore, il n'y dormait pas. Lui, il est allé s'installer à Port-la-Galère dans un manoir qui était tout à fait traditionnel. Et c'est moi qui dormais au Palais Bulle. Il venait dans la journée, mais ne voulait pas y dormir. Le Palais Bulle fait partie aussi toujours de ses biens de succession. De succession, oui. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. Rodrigo Cardin fait une fête le 18 mai à l'occasion du Festival de Cannes, comme c'était la tradition et c'était moi qui les organisais ces soirées à tous les festivals de Cannes. J'ai, par exemple, bu le champagne avec les trois James Bond en chair et en os, Sean Connery, Roger Moore et Pierce Brosnan, qui étaient autour de moi. Et je n'en croyais pas mes yeux. C'est formidable. Je ne sais pas lequel j'aurais choisi. Oui. J'aurais été bien embêtée. Peut-être on aurait partagé. Qu'est-ce que vous dites, polyamour. Ah oui, là j'aurais bien fait du polyamour, voyez-vous. On va y revenir. Endroit incroyable, le Palais Bulle. Vous avez visité ? Non, j'ai vu des images, j'ai vu des reportages. D'abord, il est très bien situé. Vous avez vu sur la baie de Cannes. Et puis, ce sont des habitations comme ça, très sphériques. Il y a toujours des réceptions ? Oui, toujours le 18, il va y avoir une très très grande réception. Et puis c'est de toute façon quelquefois loué à des maisons qui veulent faire des photos de mode. Voilà, oui. C'est vrai que c'est un endroit sublime. Question de ma part. De David Rébier, de Paris. Oui. Qui concerne la cuisine. Oui. Comment était Pierre Cardin face à la cuisine ? Qu'est-ce qu'il aimait manger ? C'était un épicurien ? Comment il était face à la gastronomie ? Alors, pas du tout. Pas du tout. Alors, pas du tout. Il mangeait n'importe quoi. Moi, j'étais toujours avec lui en voyage. Je voyais qu'il mangeait n'importe quoi. Et les derniers temps de sa vie, il envoyait un de ses assistants acheter du jambon sous cellophane, n'est-ce pas ? Avec une baguette aussi de la supérette. Et il s'en satisfaisait. Donc, il n'était pas du tout gourmet. Les fois où je l'ai vu à table
manger avec plaisir, c'était quand on lui servait un plat de pasta à l'italienne. Ah ouais. Et là, je voyais qu'il mangeait presque couché sur l'assiette, comme un émigré italien, comme un travailleur italien qui mange sa pasta, qu'il a si durement gagné, voyez-vous. Il redevenait ce fils d'émigré. Et ça me touchait beaucoup. Oui, il mangeait avec sa tête. Il mangeait l'Italie avec sa tête. Vous auriez été avec nous la semaine dernière, on était en osmose, complètement. Par rapport à la pasta. Ah oui, et oui la semaine dernière, on a parlé de l'hommage à Dalida. À Dalida. Ah oui. Voilà, nous avons parlé, bien évidemment, et elle adorait les pâtes, et nous avons fait une mise en scène gourmande sur les pâtes, et bien évidemment, les produits qui vont avec, comme le parmigiano reggiano, comme des jambons sublimes, des légumes également, des fromages comme la ricotte, pour faire, on a parlé pasta. Mais c'est vrai que les pâtes, à quelque part, ça reste. Quand elles sont, parce qu'on dit les pâtes, parce que c'est une immense famille, entre les pâtes sèches et les pâtes fraîches, on a une multitude d'éléments à travailler, et bien évidemment, à ensuite présenter avec telle et telle sauce. Et c'est vrai que la pasta, ça... Et puis, la pasta, c'est familial, c'est amical, c'est généreux. C'est un côté convivial d'office. Bien sûr, c'est généreux. Et puis, ça se partage. Et dès l'instant où on travaille un peu une sauce séductrice, on entre véritablement dans un moment quand même sympa. Tout à fait. Comme c'est bien dit, Madame Cardin... Sylvana Loren, qui est avec nous au studio Armada. Voilà, c'est un livre, un bel ouvrage à lire, bien évidemment. C'est ma vie avec lui. C'est votre vie. Et sa vie, bien sûr. Parce qu'on parlait d'héritage. Bon, moi, je connais un peu parce qu'on a vécu un peu l'héritage de traîner. Bon, c'est un peu similaire, je crois. Mais ce qui reste dans notre cœur, ma chère Sylvana, je pense que c'est ça le plus beau. Voilà, parce que vous en parlez avec beaucoup d'amour. Oui. Voilà. Oui. Et comme vous nous disiez tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, je pourrais en parler des heures et des heures. Voilà, c'est ça le bel héritage. C'est celui que vous gardez dans votre cœur. Du cœur. Et grâce à vous, on en saura un peu plus. Madame Cardin. Voilà. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion d'en parler. D'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, puisque l'émission n'est pas terminée, puisqu'on continue, mon cher Anthony. Avec la caboche de Vartoche. La caboche de Vartoche. Mais un petit jingle. Allez, et on reçoit Vartoche. Qu'est-ce qu'il y a dans la caboche de Vartoche aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans la caboche de Vartoche? Mais qu'est-ce qu'il y a dans la caboche de Vartoche? Alors, la dent, ça c'est formidable. La dent avec le diamant, là, c'est formidable. C'est Anthony qui m'a fait ça. Ah oui, ça c'est comme ça qu'il te voit. Et c'est comme ça qu'il me voit. C'est mieux qu'avec une asperge. Hein. Ça, on fait bizarre. On peut avoir les deux en même temps. Hein. Ah non, on va pas commencer. Didouard Vartoche, alors, au programme. J'ai trop ri tout à l'heure. Il devrait faire des spectacles, d'ailleurs. Quel est votre invité? Mon invité, c'est un chanteur, qui est aussi producteur, et qui est né au Liban. Vous êtes né au Liban, c'est ça? Oui, moi, exactement. J'ai bien connu un producteur libanais, Rabat. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Elias Rabani. Elias Rabani, la grande famille Rabani. D'Armada. Non, ça n'a rien à voir. Un producteur libanais, Ouais, Elias Rabani, c'est un peu le... Comment dire Lady Barclay d'ici, Elias Rabani. Maintenant, c'est son fils qui a pris le relais, Jade, oui, qui s'occupe beaucoup d'artistes. Nous sommes allés, du reste, plusieurs fois à Beyrouth pour rencontrer ce producteur. On a même eu des Libanaises qui ont gagné le tremplin international. Ils chantent très bien. Nos amis libanais. Alors, c'est votre cas? Vous êtes producteur, mais chanteur aussi. En fait, il a commencé à chanter très, très jeune, et puis il a ensuite été dans une chorale, et à 18 ans, il a remporté un premier prix de concours de chant. Et le reste, il va vous le dire. Alors, dites-nous tout. Rapprochez-vous quand même du micro, ça sera plus facile. Ouais, voilà. J'ai commencé effectivement assez jeune, et puis... après est arrivé aussi l'âge de la mue, donc j'ai été aussi saxophoniste pendant 11 ans à peu près. Et puis après, j'ai voulu vraiment retourner à mes amours, c'est-à-dire la chanson. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure
de vie qui n'est pas facile, l'aventure d'un chanteur toujours, mais voilà. Et puis j'ai commencé dans des cabarets, petits cabarets, dans des petits spectacles pour enfants, des, voilà, jusqu'à 2007 où j'ai fait la rencontre d'Hélène Segarra, où j'ai fait mon premier Zénith avec elle en fait à Orléans. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux vraiment faire, faire de ma vie ce métier, quoi. C'est vraiment ça. Et donc, je me suis donné les moyens, on va dire. Donc, comme toute personne vivant en province, je suis parti à Paris en me disant, c'est à Paris que tout se passe, c'est à Paris que la célébrité, que surtout le l'artistique se développe. Et pour moi, ça n'a pas été du tout le cas. C'est-à-dire que je suis resté 2 ans à Paris. Il a fallu que je trouve un travail. Donc j'ai travaillé. J'étais serveur chanteur dans un restaurant. Et ça commence très souvent comme ça. Mais les voilà. Carrières. À Paris, on chante. Voilà. Mais sauf que j'avais pas le temps. Sauf que j'avais pas le temps de faire des auditions et tout ça parce que le métier de la restauration prend beaucoup de temps. C'est difficile. Voilà. Et c'est fatigant. Et, ouais. Et un beau jour, on me propose de venir prendre la direction d'un restaurant sur l'île de Ré. Et j'avais une maison familiale là-bas, donc je suis parti à l'île de Ré pour 6 mois normalement. Et dans ce restaurant, tous les soirs, il y avait un vieux monsieur qui venait et qui jouait au piano des airs de Traîner d'ailleurs, de Piaf, de Lama et tout ça. Et puis un soir, je vais voir mon patron et je lui dis « Mais c'est qui le vieux monsieur là qui joue au piano ?» Il me dit « Ah, tu connais pas, c'est Yves Gilbert, c'est le compositeur et pianiste de Serge Lama. » Alors moi, j'avais déjà plus ou moins eu 2-3 petites chansons que j'avais découvertes avec à l'époque mon ami Rick Allison, qui est le compositeur de Lara Fabian. Et du coup, mais ça n'avait pas forcément donné grand-chose parce que lui étant au Canada, moi en France, c'était compliqué. Et puis un soir, Yves Gilbert a demandé si quelqu'un savait chanter. Et j'ai dit bah oui. Et puis on a chanté d'aventure en aventure une de ses chansons ensemble. Et l'histoire est partie de là. Et on a commencé à écrire des chansons. Alors lui autour de ma vie, parce que moi j'ai un départ de vie qui est particulier. Je suis né à Beyrouth en fait en 79 pendant la guerre et j'ai été retrouvé dans un sac poubelle par une religieuse. Et ensuite j'ai été adopté par une famille française en fait. Et Yves Gilbert, quand je lui ai raconté l'histoire, il a tout de suite vu le côté « Tiens, mais si on essayait par la suite de créer un spectacle ensemble pour parler de nos deux vies qui sont complètement différentes ?» C'est-à-dire lui, un papa qui est directeur du casino de Deauville, donc né un peu avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et puis moi, petit garçon qui est retrouvé dans un sac poubelle et puis qui voilà, à un moment donné, fait que la vie, on se rencontre tous les deux. Et comme quoi, deux destins complètement différents peuvent, à un moment donné, monter un spectacle. Voilà. Donc on a fait ça. Un an après, il m'a présenté Serge Lama. Qui m'a immédiatement proposé en fait de coécrire, qu'on coécrive ensemble. Donc j'ai coécrit mes deux premiers EP avec Serge. Et puis après l'aventure est partie, on a monté un spectacle qui s'appelait Le Libanais et Monsieur Yves. Et puis on l'a joué pendant 4 mois au théâtre du gymnase, voilà, avec Drucker, avec tout ça aussi, toutes ces promos là. Et puis après j'ai continué à travailler avec d'autres personnes avec qui je travaillais déjà aussi à l'époque, qui ont fait mon premier EP, qui était un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Dequéant. Je sais pas si tu le connais d'ailleurs, Vertoche, peut-être. Jean-Claude Dequéant, c'était le compositeur de Mylène Farmer sur Libertine en fait, qui a co-réalisé le premier album de Mylène Farmer. Et du coup avec Jean-Claude on a commencé à travailler. J'ai fait une reprise de La Mama de Charles Aznavour. J'ai fait plusieurs reprises. On a fait une reprise de Libertine aussi avec une amie qui s'appelle Jeannie Maconnet, qu'on avait promotionnée en 2015. Et puis après, on s'est retrouvé avec Hélène Segarra. Donc, on s'est retrouvé aussi sur plusieurs spectacles où je suis allé la voir un peu pour chanter le fameux Vive au Perlet avec elle et d'autres titres. Partager plusieurs fois la scène. Et puis, divers rencontres comme ça qui m'ont mené jusqu'à mes retrouvailles avec, justement, on en parlait tout à l'heure avec Magali Vaé, qui était une amie depuis déjà, vraiment, que tu connais très bien d'ailleurs, Christian. Et du coup, voilà, on a fait cette aventure avec Magali où on a fait une reprise en hommage à Lara Fabian, qu'on aime beaucoup, mais aussi à Rick Allison, qui était une connaissance qu'on avait en commun, de Tu es mon autre. Et puis l'année d'après, on a repris Sous le vent aussi de Céline Dion et Garou. Et là, on est parti, on a fait une première tournée en fait ensemble.
Et cette année, on remonte encore quelque chose. On repart en tournée. Là, alors là, c'est encore autre chose. On repart en tournée avec sur une tournée qui s'appelle le Paradis des Stars. C'est Camping Paradis, en fait, qui organise une grosse tournée en France. Sur tous les campings paradis. Sur oui, tous voilà, les, justement, ces campings, c'est assez extraordinaire parce que nous, on se souvient quand on était jeunes, les campings, on prenait notre tente comme ça, voilà. Mais maintenant, chers amis, c'est camping de luxe. Ouais. Et moi, je connais plein d'artistes qui partent en tournée. Alors, je dis, alors, tu fais quelle ville ? Énormément de villes, mais alors, vous êtes sur la place publique ? Non, on va au camping. Ah bon, tu vas au camping ? Mais maintenant, les campings, c'est comme le Club Med, hein, ils ont des moyens incroyables. C'est et il y a beaucoup d'artistes, même connus et reconnus bien et adulés par le public, ouais, qui font bah, dans la tournée Camping Paradis, il ouais, y a beaucoup d'artistes connus et reconnus qui sont issus de la comédie musicale, issus de... On a Francky Vincent, il y a... Qu'on aura bien à l'émission prochaine, du reste. Voilà, il y a plusieurs artistes comme ça. Et en fait, on est chacun, chaque soir, dans un camping. Donc on fait ça remplace tournée, un peu les podiums de l'époque. Oui, c'est un peu le même concept, mais effectivement, oui, mais sauf que c'est le public camping, quoi. Mmh. Les exactement. Gens extérieurs ne peuvent pas rentrer, c'est ça le problème. Voilà, exactement. Ah, alors, voilà. Ça dépend des endroits, mais c'est vrai que moi je dis toujours le public camping, c'est le même public qu'on retrouve l'hiver dans les salles parisiennes. Non, bien sûr, oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Sauf que lorsqu'on est dans une ville, c'est pas ouvert au public, c'est pas ouvert au public. Alors que je veux dire, c'est souvent proche des plages, ouvert à tous. Et ça leur permet aussi l'été de pouvoir accéder à des artistes. Et de pouvoir voir, parce que ce sont des spectacles qui sont offerts pour les gens qui sont dans les campings, d'aller voir des artistes aussi qu'ils n'auraient peut-être pas forcément la possibilité d'aller voir sur un concert dans l'année, par manque de temps. Et voilà, et c'est vrai qu'effectivement, ça leur propose un spectacle. Nous, on a un spectacle d'une heure et demie avec Magali qu'on a monté. Ouais. Voilà. Et puis, au mois de janvier, alors vous parliez tout à l'heure de rêve prémonitoire. J'ai fait un rêve, moi, prémonitoire en janvier parce que j'avais écrit beaucoup de chansons autour de mes parents, autour de l'adoption, autour de ma vie, etc. Mais j'avais écrit une chanson, plus des chansons qui tournaient autour de ma maman, mais pas trop de mon papa. J'ai fait un rêve complètement fou, enfin, oui, on va dire le mot fou. J'étais dans une piscine vide en train de chanter Parler à mon père avec Céline Dion. C'était pas si fou. À vrai dire, le rêve était pas mal. Hein. Quand je me suis réveillé, c'était un peu la misère, mais le rêve était pas mal. Et puis, ça m'a donné l'envie, en fait, de faire cette reprise de Parler à mon père. Déjà parce qu'on avait fait Sous le vent. Et j'ai la chance de travailler dans un grand studio où je fais tous mes enregistrements aujourd'hui, qui s'appelle le Studio Haut de Gamme, qui est dirigé par Thierry Communal, qui est l'un des éditeurs de Céline Dion, en fait, dont Sous le vent est Parler à mon père. Et j'ai appelé toutes mes équipes, mon réalisateur, j'ai appelé le studio. Je dis, est-ce que ça vous dit que je reprenne Parler à mon père ? Puis c'était aussi un hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jacques Vénérouzeau, qui est le compositeur de Parler à mon père, le compositeur de Sous le vent. Un monsieur avec qui on s'apprécie beaucoup, et du coup j'ai dit bah allez on y va, et en l'espace de 3 semaines on avait enregistré le titre et monté le clip, quoi. On a tourné le clip à l'île de Ré et à La Rochelle, et c'est le dernier clip, c'est votre dernier clip, voilà, Parler à mon père, voilà. Exactement, voilà, ouais, absolument. Dites-moi, vous parliez de Serge Lama. Que devient Serge Lama ? Parce que voilà, un artiste extraordinaire. Ah oui. Alors Serge, il va bien, en tout cas déjà. Je l'ai eu par SMS il n'y a pas si longtemps que ça, donc il va bien. Il a, je pense, pris un peu de recul par rapport à sa carrière pour probablement des conditions, je ne vais pas dire de santé, ça ne veut pas dire qu'il va mal, mais c'est vrai qu'avec l'accident qu'il avait eu étant jeune et cette hanche et tout ça, à un moment donné de tourner, la tournée c'est très fatigant, c'est quelque chose de très fatigant, il l'a dit lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux plus. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que c'est, si c'est pour présenter un spectacle sur scène et qu'il ne soit pas à la hauteur de ce que les gens attendent, je pense que pour ça, Serge, c'est quelque chose de très important pour lui, parce qu'il a un respect pour son public qui est assez incroyable. Et du coup, je pense qu'il a préféré, oui, lever le pied, on va dire. Il y avait une tournée. Il a annulé sa tournée en province, avant à cause COVID, de ça. Oui, voilà, il y avait une tournée et puis elle a été annulée. Mmh. Elle avait d'abord été reportée et ensuite elle a été annulée. Mais il n'est plus à même de rester 2 heures sur scène. Non. Ouais. Et puis, rester debout et tout, c'est pas évident. Je sais que Serge est quelqu'un qui est. Vous êtes toujours en contact avec lui. Ah oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais, même pendant le confinement, j'avais sorti un single où je lui avais demandé de participer dans le clip et 2 minutes après. C'est un homme généreux. Très,
Très, très, très. Serge, c'est vraiment quelqu'un qui... moi, je sais que c'est une très belle rencontre dans ma vie. La rencontre qui a fait ma carrière, c'est celle d'Yves Gilbert, puisque c'est lui qui, c'est avec lui que j'ai composé, c'est avec lui que j'ai écrit. Que l'on a eu aussi au tremplin en tant que jury. Oui. Mais c'est vrai que après d'avoir pu rencontrer ce monsieur et d'avoir eu la chance de coécrire quelques titres sur mes EP, c'est quelque chose qui ça marque une vie, ça marque une carrière. Et puis c'est quelqu'un de très généreux et de très simple surtout aussi, voilà, qui n'a jamais pour moi en tout cas qu'il l'ait côtoyé, c'est pas quelqu'un qui vit sur une autre planète, quoi. Il a complètement les pieds sur terre et c'est vrai que c'est un artiste qui est formidable par ses textes, par ses mots et par sa voix, quoi. Parler à mon père, Tiad, on peut peut-être voir à l'écran, hein, si c'est possible. Voilà, ce dont on parle, Parler à mon père, c'est le dernier clip, évidemment, de notre amitiade. Eh bien, vous donnerez bien le bonjour à Serge Lamar. Avec plaisir. Est-ce que vous retournez un petit peu au Liban ? Non, en fait, en vrai, je ne suis jamais allé au Liban. Ah, vous n'êtes jamais allé au Liban ? Je n'ai jamais été au Liban. Et vous n'avez pas eu envie de retourner là-bas ? Non, pas spécialement, parce que j'ai été... J'ai été élevé dès l'âge de un mois par une famille française, donc je n'ai jamais eu le ressentiment de... Voilà, je n'ai absolument aucun, mis à part le fait d'être né à Beyrouth. J'ai déjà parlé, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une émission avec Faustine Bollard sur France 2 où j'ai raconté justement un petit peu l'histoire de ma vie, etc. Mais effectivement, la question revient régulièrement. Avez-vous déjà été au Liban ou, pour même ne serait-ce que peut-être retrouver vos vrais parents, etc. Ben oui. Mais non, parce que j'ai eu tellement d'amour de mes parents. Voilà. Et puis je dis toujours, j'ai eu la chance, je le dis souvent dans les émissions, j'ai eu la chance dans ma vie, c'est de pouvoir en vivre une, en fait. Et à partir de là, je me concentre sur tout ce qui est positif et je n'ai pas envie de perdre mon temps à aller chercher des choses que probablement je ne retrouverai jamais. En tout cas, le Liban est un beau pays. Un pays meurtri, un pays qui souffre et qui continue à souffrir, que l'on aime beaucoup. Voilà. Un jour, vous irez sûrement. Voilà, vous peut-être, allez y retourner, oui. J'en suis convaincu, vous allez y retourner. On regarde votre clip, hein, je crois que c'est pour maintenant. Parler à mon père. Je voudrais oublier le temps, pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais passer l'océan, croiser le vol d'un goéland, penser à tout ce que j'ai vu, sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Parler à mon père. Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire des voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs des tableaux que j'ai dans le cœur, de ce décor aux lignes pures où je vous vois et me rassure. Je voudrais décrocher la lune, je voudrais même sauver la terre, mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Pour un soupir, pour un instant, une parenthèse après la course, et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé, au chaud dans mon jardin secret. Je voudrais partir avec toi, je voudrais rêver avec toi, toujours chercher l'inaccessible, toujours espérer l'impossible. Je voudrais parler à mon père, parler à mon père. Je voudrais parler à mon père,
super, tiens, très sympa le clip. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Bon, alors, bonjour au Liban quand même. Hein. Merci, bien, merci de votre invitation surtout. Voilà. Ben, c'est nous, on était vraiment ravis de vous avoir. Et bonjour aussi à Magali Vahe. Avec plaisir, voilà, qui a gagné la star, hein, qui est une chanteuse Céline formidable. Dion, alors. Ah, bah, Céline, Céline Dion aussi. Ben, il y a avec beaucoup Céline de bonjour à donner. Hein. J'ai déjà rencontré, mais je n'ai pas ses coordonnées personnelles. Bon, je vous les donnerai, je les ai. Bon, merci infiniment. Allez, on change maintenant un petit peu d'univers, on va dire. On va se retrouver avec notre Aurore. Mais pour ce faire, attention, on envoie le jingle. C'est... c'est très velouté tout ouais, ça. C'est très comme doux, là, hein, très tendre. C'est très tendre. Voilà, c'est beau, c'est beau. Ben, c'est vous tout simplement, hein, ma chère Aurore. Bien sûr. Vous avez des nouvelles lunettes, non? J'ai changé cette semaine. J'aime que tu me regardes. Ah, mais moi je vous regarde, bien rarement sûr. Rarement on regarde. Voit, oui, j'ai changé de lunettes cette semaine. Ça vous va merveilleux. Pour le soleil du mois de juin. C'est ça, ça se teinte la lumière. Absolument. Voilà. Alors, protéger mes yeux bleus. Vous allez nous parler. Du polyamour. Du polyamour. Alors, je suis curieux de savoir. Alors, je vais te donner la définition exacte du polyamour. Allez-y, dites-nous. Le polyamour se définit comme l'orientation relationnelle présumant qu'il est possible d'aimer plusieurs personnes et de maintenir plusieurs relations amoureuses et sexuelles à la fois, évidemment avec le consentement des partenaires impliqués. D'accord. Bon, d'accord. Ça ressemble un petit peu au couple libre d'avant, non? Bah, c'est un peu ça. Oui. Le libertinage. Hein. Le libertinage. J'ai envie de dire, ils ont mis un beau petit mot sur quelque chose qu'on connaissait déjà un peu. Bah oui, voilà. Bien sûr, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi, du polyamour? Bah, moi, j'en pense que j'achète. j'achète. Moi, je suis assez pour, j'avoue. C'est la version soft de ce qu'on appelle les partouzes, quelque part. Non, tout de suite. Non, mais dans la partouze. Je pose la question, je crois. Non, dans la partouze, on n'est pas obligé d'aimer son partenaire. Ah, ah, d'accord, oui. Là, il faut de l'amour. Alors, c'est de la polygamie dans ce cas-là. Alors, polygamie, c'est, on est proche du mariage. Oui, là, c'est on est vraiment dans juste l'amour. C'est-à-dire, on partage le cœur et les fesses. J'allais dire le cul. Oh non, pas le cœur et ici, les fesses, hein. Bah pas oui, ici, bah désolé, oui, hein. T'as vu, j'ai récupéré. Ah non, mais pas mais, ici. Mais hein. Par contre, on ne partage pas un lien à la mairie, tu vois. Là, ça, et puis en plus, malheureusement, tu m'as dit là. Voilà. Polygamie. Polygamie. Malheureusement, les femmes ne sont pas toujours au courant, ou les hommes ne sont pas toujours au courant qu'on est plusieurs. Ah, tu ah vois d'accord. Alors bon. Que dans le polyamour, l'idée, c'est que tout le monde est au courant de tout. Et on s'aime. Et c'est on l'amour s'aime. Qui est au rendez-vous. Alors, moi, ça me va bien. Lorsqu'il y a l'amour, moi, qu'est-ce que vous voulez? Je suis un sentimental. C'est tendance. Alors, on trouve ça de plus en plus dans des couples de plus en plus jeunes. Alors, il paraît que c'est Dominique Paravanos oui, qui est tout à fait au courant de... C'est une vraie tendance dans la jeunesse. Oui, en fait, maintenant, on nous a mis beaucoup... On aura l'occasion dans une émission d'en parler, mais on nous a mis beaucoup de définitions de différents styles ou genres sexuels. Et le polyamour ferait partie de ces genres. Moi, je pense que ça fait des milliards d'années que ça existe. Peut-être qu'on n'a pas toujours été très francs avec nos partenaires. C'est ça, c'est la deuxième c'est ça, partie du programme. Qui n'était pas la seule chose qui n'était pas bien claire. Voilà. Clair, mais chez les hominidés, il n'y avait pas le mot polyamour. Hein. Oui, on a fait avec ce qu'il y avait. Alors, le polyamour, ça apporte quand même une certaine autonomie à la relation. Ah oui. Et puis surtout, une certaine distance avec la dépendance de l'autre. Parce que, comme je dis toujours à mes amis, si tu aimes plusieurs personnes en même temps, tu en as toujours une qui va équilibrer l'autre. Ce que tu ne trouves pas chez l'un, tu vas ah le oui, trouver d'accord. chez l'autre. Bah oui. Donc tu ne vas pas le reprocher à cette personne, tu vas le trouver ailleurs. Oui, ah, d'accord, très ça bien. Ça évite ah, des conflits sympa. Quand même, cette histoire. C'est sympa, mais oui. Le polyamour, c'est une équation d'amour à plusieurs. À plusieurs, et à plusieurs personnes consentantes. D'accord. Donc c'est la tendance, voilà. Comme dit Dominique Paravano. Je ne sais pas si c'est une tendance, ou je pense que c'est simplement une réalité qu'on a ouvert aux yeux de tout le monde et puis qu'on s'est dit on va mettre un beau mot dessus. Voilà. Moi je pense qu'il vaut. Enfin, moi j'aime le polyamour. Moi je prône ça.
quand c'est bien régulé, que tout le monde est OK. Oui. Après, polyamour, ça ne veut pas dire que tu aimes plusieurs personnes en même temps, dans la même soirée, au même endroit. Ah, voilà, on n'est pas obligé de se retrouver. Voilà. Par exemple, tu peux vivre lundi, mardi avec Steven, mercredi, jeudi avec Joseph, Juliette, vendredi, samedi avec Mohamed. Tu vois, ce que tu veux. D'accord. Ah, mais j'ai pris différents esprits, t'as vu. Hein, bon. On n'est pas obligé à chaque fois de se retrouver. On n'est pas obligé de partager le planning. Donc ça, j'imagine qu'on doit avoir quand même un planning très chargé. Mais c'est la personne qui est en face de toi et qui partage ce principe de vie, le vit aussi, lui, à son rythme. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé le subir. Mmh. Tu vois, c'est censé être un consentement ensemble. Donc lui aussi, dans son planning, il a lundi, mardi, Aurore, mardi, mercredi, jeudi, Séverine, et vendredi, samedi, tu vois. De nouveau Aurore. Mais elle récidive, celle-là. Mais bon, donc voilà. Mais en fait, ce qui me surprend le plus, alors c'est peut-être un regard maternel sur la situation, mais c'est de voir le nombre de jeunes couples. Quand je dis jeunes, on est dans les 16 ans, 17 ans, oui. qui sont déjà dans le polyamour. C'est-à-dire que tu les vois se balader, à gauche il embrasse à gauche, à droite il embrasse à droite il s'embrasse avec à gauche. Au début ça peut paraître un peu surprenant. Mais ce n'est pas obligé, un homme, une femme, ça peut être deux hommes, deux femmes. C'est ce que voilà. tu veux, il n'y a c'est aucune... Par rapport, voilà, c'est-à-dire que c'est le cœur qui vous amène comme ça. Et puis on pratique. Bah c'est aimer la personne, mais qu'elle c'est soit pas mal. Femme. Tu peux être en début de semaine avec une femme et puis voilà. Jeudi, vendredi avec un homme, bah, tu fais ce que tu veux. Et puis la seule chose qui est importante, c'est le fait d'aimer plusieurs personnes. Et le week-end, tu te retrouves seul avec ton animal de compagnie. La seule chose qui est importante dans ce polyamour, et à mon sens, c'est même carrément vital, c'est surtout d'être en accord. En accord, oui. D'être en accord avec soi-même, c'est-à-dire pas le faire pour garder l'homme dans sa vie, ou la femme de sa vie, bien sûr. Mais le faire de manière... volontaire, parce que sinon tu souffres. Et si tu souffres, il n'y a plus d'amour. Et puis surtout de se protéger, puisque là on est dans plusieurs partenaires. Donc je prône toujours la protection. Bien sûr. Ou alors voilà, d'avoir fait le nécessaire avant pour ne plus se protéger. Mais il faut avoir fait le nécessaire en groupe. Et je pense que plus on est nombreux, plus il peut y avoir des risques. Ça demande quand même au départ un esprit de confiance, parce que aller vers un nouveau partenaire et l'inclure dans son cercle, ça va être. compliqué si on n'annonce pas la couleur. Mais je pense que dès le début, tu l'es ou tu ne l'es pas. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quelque chose qui... Moi, j'ai eu deux parties de ma vie. Par exemple, j'ai vécu 17 ans avec le père de mes enfants, où je n'ai jamais regardé un seul homme de ma vie, à part lui. Tu vois ? Et puis, il y a eu cette cassure... Et depuis, mes yeux s'ouvrent à tout ce qui s'offre à moi. Sauf que les asperges, je les arrête plus à cuire. Pas que mes yeux. mais par contre, je l'annonce fort, haut et fort. Ben oui, c'est-à-dire ben je ne vais pas offrir une fidélité à une personne, je vais être honnête dès le début. Oui. Mais à chaque fois, c'est avec amour, c'est ça, toute la différence. Mais par contre, il y a de l'amour. C'est toujours de l'amour. Avec de l'amour. Voilà. Mais comme c'est il est partagé, c'est pas que sexuel, amour, c'est, y a de l'amour. Il est y a de différent. L'amour. Et puis, tu sais, quand je te dis, quand tu n'es pas dépendant d'une personne, parce que, par exemple, cette personne va faire ça extraordinairement bien, va cure très bien les asperges, par exemple. Et l'autre personne va très bien faire autre chose. Et l'autre personne va être poétique, etc. Alors, pour la cuisine, c'est pratique, hein. Mais je veux dire, ça t'évite aussi de trouver des reproches chez une personne qui ne peut pas tout être. Parce que finalement, où il y a beaucoup de soucis dans les couples, c'est quand on reproche à l'homme ou à la femme de ne pas ceci, ne pas cela. Mais on ne peut pas tout faire en un être humain. Ah, mais vie sous un Coluche disait que pour être heureux, il fallait avoir autant de femmes que de principes et d'envie. C'est-à-dire une qui cuisine bien, une qui fait ça bien, une qui... Et pareil pour les hommes. Oui, mais est-ce que ça signifie qu'il faut vivre sous le même toit ou à chacun voir son chez-soi ? Alors après, ça, c'est chacun le sa sauce. Le polyamour, il est quand même assez vaste voilà. à ce niveau. Mais moi, je pense que le polyamour, il est plus chacun chez soi. Et puis, avec telle personne, on fait telle chose, etc. Je pense, ce n'est pas lié du tout à la partouze, le polyamour. Ce n'est pas du tout un groupe sexuel. Ce n'est pas du tout une idée sexuelle. C'est de pouvoir aimer plusieurs personnes. C'est en fait, plusieurs le cœur est tellement grand. Moi, je pense que j'ai un énorme cœur. Et mon cœur est tellement grand qu'il peut aimer tellement de personnes qu'il ne faut pas se limiter. Ça serait dommage. Voilà. Alors, dans le polyamour, il ne faut pas oublier que c'est à vous d'inventer vos règles et vos valeurs d'amour. Donc, n'oubliez pas, comme toujours, le dialogue, c'est-à-dire de dire « moi, je voudrais ça, moi, je voudrais ça », et de trouver l'équilibre. Il faut être aussi juste, il faut que tout le monde y prenne son compte. Comme je dis toujours, s'il y a une souffrance, ça ne marche pas. Il y a George Sand qui disait « il n'y a pas qu'un bonheur dans la vie, le seul, c'est d'aimer et d'être aimé ». Mais on ne nous a jamais dit par combien de personnes.
Oui, après tout, c'est vrai. Une question qui te concerne. Tu as été amené à faire du coaching pour des personnes qui pratiquaient le polygamie. Pour un trouple. Un trouple. Alors, un trouple, pour c'est le quoi, coup, un trouple c'est un trouple à trois et qui vivent ensemble. Là, pour le coup, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est un homme qui a décidé de vivre avec deux femmes. Mais pourquoi j'ai dû les coacher ? Parce qu'une des femmes subissait la situation. Une était totalement heureuse et épanouie et une subissait. Ah oui, là, c'est pas donc drôle. Donc là, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner. Voilà, on a mis le doigt sur le problème, entre guillemets. Ouais. Mais alors que là, dans le polyamour, c'est vraiment ça l'idée. C'est tout le monde est d'accord, chacun fait sa sauce, chacun prend son planning, hop là, et puis tout le monde y prend son bonheur. Et après le trouble, la 4, ça fait quoi? Dites-moi, Aurore, parce que tout le monde ne vous connaît pas, le tout Paris ne vous connaît pas encore, mais ça va arriver à mon avis, vous avez une belle carrière devant vous. Mais dites-moi, alors quel est votre rôle, quel est votre job? Qu'est-ce qu'une coach love? C'est ça que j'aimerais savoir. Une love coach, c'est une coach d'amour de soi, de soi et d'amour des autres. Oui. C'est-à-dire j'aide les femmes et les hommes à s'aimer pour mieux aimer et être aimé. C'est formidable, voilà. Ça. Vous connaissez pas Alexandre Cormon, qui est Love Coach, qui est mon idole sur Terre, Alexandre Cormon. Il vous explique, quand vous avez un chagrin d'amour, il vous explique ce qui se passe. Il donne des directions. Il vous guide beaucoup. Si vous tombez sur un pervers narcissique, il vous le démasque. Il est formidable. Vous avez aussi une chaîne YouTube. Pas une chaîne YouTube. J'ai Instagram et Facebook. Oui, mais il faut en parler justement. Aurore ALM et Bayaurore. Dès que vous mettez Bayaurore, J'y vais tout de suite. La base de tout et la base de l'amour, n'oublions pas, c'est de s'aimer d'abord soi-même. Ouais. Si on s'aime et on se respecte soi-même, on aimera et on respectera l'autre. Et tout se passera toujours dans de bonnes circonstances. Même s'il y a une séparation, moi j'ai très bien réussi mon divorce. On peut très bien réussir, tu vois. Je veux dire, quand il y a du respect, quand il y a de l'amour de soi et du respect de soi, on fait les choses correctement. Et quand on les fait correctement dans l'amour, comme dans le sexe, ça marche toujours très bien. Oui. Mais il n'y a pas d'Aurore by Aurore. Oui, les blablas, là. Ouais. Oui, c'est ça. Les blablas, là, nous y sommes. Nous sommes connectés. Oui. Est-ce que vous êtes souvent contacté, justement, par des couples ou des gens? Je suis plus contactée par des femmes, et surtout des femmes rondes, puisque j'ai envie de dire, c'est ma cam. Je parle de ce que je connais, donc je parle des complexes et des gènes que l'on peut avoir quand on est ronde dans le sexe. Donc c'est plus des femmes rondes qui me contactent. D'ailleurs, j'ai mis en place un sex-séminaire pour fin juin sur l'amour de soi et plus si affinité. Et c'est principalement des femmes rondes qui me contactent pour commencer à s'aimer, s'accepter dans toutes les circonstances et s'épanouir dans leur intimité. Et chère Aurore, j'ai remarqué que beaucoup de femmes fortes, carrément obèses, elles ne sont pas seules. Il y a très peu de grosses seules. Alors avec des hommes tout minces. Ouais. Comment vous expliquez ça? Parce qu'en fait, il faut savoir que la femme ronde, pulpeuse, grosse. C'est adulé par les hommes. Ils aiment ça. Sauf qu'ils ont mis beaucoup de temps à l'affirmer haut et fort. C'était des femmes d'une nuit, pas les femmes d'une vie. C'était des femmes à la maison et pas les femmes dans la rue, tu vois. Oui. C'était ça la différence. Maintenant, c'est que les femmes rondes, pulpeuses et grosses sont remises un peu à la mode et au goût du jour. J'ai envie de dire, on arrive un peu plus à sortir à l'extérieur avec nos compagnons. Exact. Moi, je sais que ça fait maintenant 11 ans que je suis divorcée du père de mes enfants. Je n'ai jamais été célibataire, quasiment pas. Et puis en plus, moi, je suis cougar, donc j'ai une sélection de... Hein. Attention les petits jeunes. Mais je veux dire par là, la femme ronde, parce que la femme ronde, elle est rassurante. Elle est rassurante, c'est le côté maternel qu'elle recherche. Côté cher. Je ne vais pas utiliser le terme, parce que j'ai posé la question aux hommes, mais je ne vais pas utiliser le terme tel qu'ils me l'ont dit, je vais vous l'envelopper dans du papier de soie. Oui, l'avantage avec une femme ronde, c'est qu'on sait où poser nos mains et on n'a pas peur de blesser. Voilà. Moi, on ne me l'a pas sorti comme ça, donc je peux vous dire que je voulais envelopper. Et en fait, mais ça se comprend, c'est-à-dire qu'en fait, ils osent eux aussi s'épanouir dans leur sexualité en ayant moins de peur de fragiliser ou de blesser en tenant plus ou moins sur ces poignées d'amour que nous avons fourni intégralement avec nous. Mais alors, c'est beau des poignées d'amour. C'est plutôt bien. Après, le problème aussi, il y a tout ce côté fantasme de la femme ronde. Et alors là, quand un homme te dit « j'ai envie de tester une grosse »,
Déjà, premièrement, monsieur, si tu m'entends, c'est pas vendeur. Deuxièmement, tu c'est ne prendras. Engageant. Deuxièmement, tu la prends, tu vas pas la serrer là. C'est pas possible ça. Tu la prendras pas celle-là. Et troisièmement, s'il vous plaît, un minimum de respect, on n'est pas de la viande. Bien sûr. Mais par il y a contre, un petit cœur derrière tout ça. Ouais. Mais par contre, il faut savoir que tu faisais surtout avec des hommes minces. Alors, il y a aussi une question technique. Et ça, j'avais dit que j'en parlerai, on en fera l'occasion. C'est parce que techniquement parlant, deux ronds ensemble, c'est plus compliqué pour certaines positions. Mais il faut parler technique, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Certaines positions simples. Bien sûr. Quelle position le missionnaire. S'il y a deux ventres, oui, c'est ça. Ça remet. Alors, à moins que l'homme soit bâti très, très généreusement par la nature, sinon, il a quand même du mal. Du mal à arriver à certains endroits. Non, mais c'est complètement vrai, c'est technique. Mais c'est ça, Alors, il y a d'autres pieds, vous savez aussi qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont très friands de la position, on va dire, levrette, c'est-à-dire derrière nous, le, ce qu'on dit. Et la femme ronde n'ose pas parce que dans cette position, elle pendouille. Et donc là, moi, je conseille toujours aux femmes de mettre un oreiller en dessous son ventre. Ni vu ni connu, t'es à l'aise, tu te restes glamour et sexy. Rien pendouille, parce qu'il n'y a que nous qui voyons que ça pendouille. Hein. Les hommes, eux, ils kiffent. Hein. Ouais. Mais nous, dans notre tête, on voit que le ventre qui pendouille. Hein. C'est comme ça. Et en fait, tu vois, c'est des petites choses comme ça qui amènent à un cheminement de tests entre couples ou entre femmes qui ne sont pas à l'aise avec qui je parle. Et on arrive à passer des caps qui étaient des gros complexes. Tout simplement, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais pourquoi j'étais complexée? Pourquoi j'y ai pas pensé? Pourquoi le coup pensé de l'oreiller, pas parlé c'est vrai que c'est pas voilà, mal. En fait. Ouais. Tout simplement. Et je pense que c'est très important de demander conseil, de dialoguer, de parler. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent en message privé sur mes réseaux parce qu'elles n'osent pas encore le face-face, le one-one. Et beaucoup d'autres personnes que si vous allez sur mon site, tu verras les commentaires des gens qui ont été orientés et tout et qui ont trouvé un épanouissement personnel et intime. Et puis qui se sont débarrassés de plein de choses autour d'elles qui n'avaient pas lieu d'être. Et ça, c'est des kilos de stress, en fait. Et souvent, quand tu t'épanouis et tu t'acceptes, tes kilos, ils disparaissent différemment. Il y a des femmes qui vont se délester de 10, 15, 20, 30 kilos. Femmes très rondes, juste parce qu'elles se sont épanouies et acceptées comme elles étaient. Voilà. Donc, dans l'amour en général, qu'il soit polyamour ou que ça soit un one-one, le plus important toujours, c'est de se sentir épanoui et de s'aimer nous-mêmes. On ne peut pas être aimé et on ne peut pas aimer l'autre si on ne sait pas s'aimer soi-même. En tout cas, Aurore, merci, j'en ai appris aujourd'hui. Moi aussi, j'en ai appris, mais c'est vrai. Merci, ma chère Aurore. Merci. Alors, rappelez-nous, pour tous ceux qui nous écoutent, et si certains sont intéressés à vous faire... byaurore.fr, sinon Instagram, AuroreALM. Merci beaucoup, ma chère Aurore. On vous applaudit encore merci. Très fort. Voilà. Vous parlez avec beaucoup d'élégance et d'amour. Et n'hésitez pas, il n'y a aucune question gênante, aucun tabou entre nous. Voilà, et entre nous non plus, Aurore. Non plus, Christian, et entre nous non plus. Voilà. Ça fait bien merci. Longtemps. Merci, Aurore. Bien, eh bien, nous allons passer maintenant à la rubrique tremplin. Tremplin des talents avec le jingle, bien sûr, pour accueillir notre ami Anthony Day. Tout d'abord, une petite page de pub. Deux prochaines dates pour le tremplin des talents en région. Nous serons le samedi 11 juin sur Podium à l'étang de Saint-Paul-du-Bois, 49310 dans les Pays de la Loire. Le tremplin aura lieu à 20h30 en première partie de spectacle avant Francky Vincent qui fera le show. C'est à côté de Cholet, je voilà, précise. Tout à fait. Il y a des mouchoirs à Cholet. Pour les artistes, auteurs, compositeurs, interprètes ou simplement interprètes, désireux de s'inscrire au concours, il vous suffit de contacter la présidente de l'association Christian Lebon, Michel Lahaine, au 06 12 43 41 98. Deuxième date, le dimanche 12 juin, c'est-à-dire le lendemain, c'est au Centre d'art Jean-René Lozac à Saint-Mexme-Haute-Rive, près de Dreux, pour une sélection organisée par notre correspondante locale Marguerite-Marie Lozac, que se déroulera le tremplin devant un jury de personnalités et de professionnels du spectacle, tout en sachant que le public vote lui aussi. Pour les inscriptions des artistes comme pour les réservations du public, même numéro 06 12 43 41 98. Alors les artistes que je vous présente aujourd'hui ont remporté le tremplin des talents lors de cette dernière saison. Il s'agit du duo Jess & West
et on entendra plus tard le chanteur Quentin Goncalves. Et tout de suite, ce sont Jess and Wes qui vous interprètent leur chanson phare, Mr. Hyde. Et c'est sur Radio Armada. Calme et pur, aussi bien tu rassures, en masquant ton jeu. Vite un soir où jamais rien ne dure, ce sombre double jeu. Pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'aimes pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Oh, si un soir ils me reprennent ma Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Silence me faut-il pour voir? Excès de rire, excès d'innocence, quelle vie faut-il croire? Oh, pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'aimes pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Oh, si un soir ils me reprennent ma Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Ah, 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 ah. Oh, pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'aimes pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Si un soir ils me reprennent ma Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Si par hasard, Mr. Hyde, tu me trouves à contre-courant, ne t'arrête pas sur ton élan. Bonsoir les garçons. Bonsoir Jess. C'était bien, West. Du direct. Hein. Mais oui, du live. Hein. Bonsoir West. Tout le monde. Bonsoir. Alors, comme on l'a deviné, vous êtes deux frères jumeaux. C'est ça. Hein. Bah oui, qu'est-ce c'est que ça. Tu es perspicace. Ah ouais. Ça. Je voudrais savoir dans vos débuts, lequel des deux a motivé l'autre à se lancer dans la chanson alors. Bah en fait, on s'est automotivé, je dirais. On a découvert le groupe Aerosmith quand on avait 12 ans. Ouais. Et puis du coup, bah, on a été tombé dedans, quoi. Du coup, oui, voilà, ça a été un vrai déclic pour nous. Voilà. Ils font partie des artistes qui vous ont influencé. Ouais, il n'y a pas sûr. Que d'ailleurs, il y a eu les Beatles, me semble-t-il. Hein. Ah bah, les Beatles en grande partie, ouais, c'est vrai. Les Rolling Stones. Les Stones. Oui. Ouais. Puis plein d'autres aussi, encore Jimi Hendrix, enfin toute cette culture rock qu'il y a des années 60-70, voilà le classique rock, même le noyau qui serait parfait, c'est mais même vous êtes 66, forgé 73. À travers ce que eux exactement. Ont fait, c'est ça, c'est d'accord, ça. Voilà. Parce que justement, votre univers musical, vous le défendez ainsi, je cite, au parfum vintage, rocailleux rock, R-O-C-K, aux harmonies bluesy. La mode étant un éternel recommencement, artistiquement, vous pensez défendre un style susceptible de revenir au goût du jour ou pas? Bah, je pense qu'on peut même le voir que ça revient un peu au goût du jour. Et oui, on voit vous dites vintage quand même, donc ouais, bien sûr, voilà, ouais, c'est ouais, pas évident d'aller piocher dans ce qui s'est fait dans le passé pour justement le remettre maintenant. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Aurore a parlé. Même s'il faut des jeunes carottes, comme dirait ma mère. Bon. Vous êtes souvent produit à l'étranger, ce sont des expériences qui ont été enrichissantes, j'imagine. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Il me semble le festival La Clé d'Or en Bulgarie. Oui, ça c'était,
On a participé à ce festival trois années de suite. Ouais. Ça a été extraordinaire. C'est vrai que c'est à la suite d'un concours de chant que nous avions remporté. D'accord. On a remporté 10 prix d'ailleurs avec une chanson. D'ailleurs, c'est drôle parce que le directeur de ce festival francophone a eu un gros coup de cœur pour nous alors que nous avions chanté une composition en anglais. Et en fait, au final, on lui a dit que nous écrivions et qu'on interprétait des chansons originales et en français. Ouais. Et au final, tout de suite, il y a un vrai feeling qui est passé avec toute l'équipe du festival. Et ça a été une énorme expérience déjà de nous retrouver en Bulgarie. Vous étiez les seuls Français, me semble-t-il, c'est ça ? On était les seuls représentants français sur place. Ouais. Il y a aussi une expérience à Londres. Oui. Alors c'était comment, là ? Dément. C'était ouf. On a fait beaucoup de petits concerts, des scènes ouvertes aussi, donc dans les bars, restaurants, puis aussi un concours là-bas où on est arrivé jusqu'en finale régionale, donc on était très chanceux. Et puis les Anglais sont juste fantastiques aussi pour leur accueil. On a eu un très bel accueil de la part des Londoniens. Ouais. Alors vous avez fait des premières parties d'artistes connus. Je vais citer Michel Fugain, les Bébés Brunes, Francis Lalanne, Gérald Dahan, les Beatles by Girls. Ouais. Dès lors, est-ce qu'il y a un certain public qui a commencé à vous suivre ? Vous avez un fan club ? Comment ça se passe, hein ? De plus en plus, c'est vrai qu'on est passé aussi il y a quelques mois de ça dans l'émission The Voice sur TF1. J'allais en parler justement. Voilà, justement, j'ai grillé un petit peu. Non, mais c'est pas vrai qu'on a eu. C'est vrai que on a quand même une page là sur Facebook ou même sur Instagram qui croît de plus en plus. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui nous suivent avec amour et sincérité. Enfin, du coup, de ce qu'on a comme retour, ça a l'air très sincère. Sur les réseaux, essentiellement. Sur les réseaux, c'est vrai. Ouais. Surtout par le biais de nos concerts live qu'on a fait pendant le confinement. D'accord. Là, il y avait déjà un petit réseau de personnes qui nous suivaient, d'amis, de proches, et puis des personnes qu'on connaissait pas vraiment. Mmh. Et puis, avec le biais des réseaux et tout ça, des concerts en direct, ça nous a amené à se faire connaître vraiment par plein de personnes, que ce soit en France ou même à l'étranger, jusqu'aux États-Unis, au Mexique aussi, et puis même encore en Bulgarie, qui nous suivent encore de là-bas. Quoi. D'accord. Alors, je voulais revenir justement sur The Voice. Il y a eu des retombées professionnelles suite à l'émission ? Comment ça s'est passé ? Il y a eu beaucoup de demandes de dates de concerts. C'est vrai que ça va commencer. C'est une véritable vitrine, en fait. C'est une super vitrine. C'est vrai que le soir même de notre diffusion, nous, on l'a su très peu de temps avant. Mais ça a été fou. C'est vrai qu'on a vu l'augmentation des abonnés sur nos réseaux, les demandes de dates. Enfin, je veux dire, ça a été. Le Stade de France nous avait contacté, mais on a refusé. Oui, non, mais c'est ça. Il faut rester modeste. Pour l'année prochaine, pas prêt. Voilà, c'est ça. On avait barbecue. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent vous découvrir, vous avez autoproduit 3 albums que l'on peut retrouver sur les plateformes de streaming, notamment Spotify. Oui. En 2018 est sorti l'album Jess and West. En 2019. Going Back, et en 2020, Chose Humaine, dont est issue la chanson Mr. Hyde. Alors, beaucoup de chansons écrites en anglais au départ pour proposer dans la suite, surtout dans le dernier album, plus de titres en français. C'est un choix ou une évolution ? Les deux. C'est vrai qu'on a donc déjà été très influencé par cette musique anglo-saxonne. On a eu beaucoup de mal à écrire en français au début parce qu'on a toujours été vraiment bercé dans cette musique-là. Et puis, en fait, au final, au plus on faisait des concerts, au plus on a rencontré. Monsieur Fugain qui nous avait dit ça au début quand on a commencé à faire sa première partie. Il nous a dit écrivez en français et va y avoir quelque chose. Quoi. C'est vrai que en liant cette musique anglo-saxonne et les textes en français, c'était déjà pas si évident que ça. Et puis en fait, au final, on essaye de trouver une patte. Alors c'est vrai que c'est le premier album en français qui sort. Donc on essaye vraiment de travailler sur un son, d'améliorer ça. Enfin, il y a toujours du boulot. C'est mieux de faire peut-être passer un message en français, finalement, dans le public qui vous tient à cœur. C'est le public français, quand même. De notre côté, c'est vrai que le plus compliqué pour nous dans l'écriture, ça a été lier les deux, vraiment sur cette musique, sur cette musicalité-là. Surtout sur la rythmique des paroles. Parce que c'est vrai que la rythmique des mots en anglais va être complètement différente que celle en français. D'accord. Et puis, c'est un challenge en plus, quoi, du coup, qui nous plaît. Et puis, je commence à avoir beaucoup de goût à écrire en français. Mon frère, pareil. Et voilà quoi, on fait notre petite cuisine ensemble et du coup ça marche plutôt mais bien. Mais sur les concerts à venir, ça sera que du français ou il y aura quand même de l'anglais ? On gardera quand même une patte d'anglais. Voilà, vous mélangez les deux quand même. Oui, c'est vrai, on arrive à amener l'un avec l'autre en présentant justement un spectacle quoi, qu'on construit avec un peu d'humour. On raconte vraiment notre univers musical, on essaye de faire passer ça quoi, je trouve.
Voilà, c'est plutôt faut, réussi. Voilà. C'est plutôt bien. Alors vous avez pas mal de concerts à venir puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, mais surtout vous avez un site jessandwest.com où dans la rubrique événements, je suis allé voir un petit peu, il y a un agenda détaillé de tous vos concerts pour les semaines à venir. J'invite tous les auditeurs à aller sur jessandwest.com, voir un petit peu ce site qui est très complet. On y retrouve plein de choses finalement, votre actualité, vos chansons, votre bio, etc. Voilà. Bah, je voulais savoir comment vous avez connu Michel Fugain en fait. La rencontre, ben, s'est faite comment ? La rencontre, ça s'est fait à la suite aussi d'un concours de chant qui se trouve, qui s'appelait les coups de cœur de la chanson. En Ardèche. En Ardèche, à Peaugres exactement. Et on a remporté ce concours-là. Et à la suite, on a joué dans la salle qui s'appelle l'Escale à Vauche. C'est juste à côté de Saint-Étienne. Et c'était l'occasion de se présenter pour faire la première partie de Michel Fugain. Justement, en parlant des concours, vous mettez maintenant de côté les concours pour plus vous consacrer à des concerts personnels. Comment vous faites ? Vous allez encore en faire des concours ? On en fait, c'est vrai qu'on en a énormément fait, ça nous a beaucoup appris sur le... Puis c'est une compétition, ça vous met un petit peu en danger, c'est pas plus mal. Oui, c'est cool. Important. C'est vrai qu'on a eu, il y a de ça aussi, puis de partager ça avec, de rencontrer des artistes, on a beaucoup appris. Et là, c'est vrai que retour de jury, et surtout, c'est un privilège de faire de la scène, parce que mine de rien, il y a quand même dans les concours de belles scènes qui sont mises en place pour les artistes qui veulent se faire découvrir, qui veulent s'exercer. Et on garde vraiment l'optique que voilà, ça reste toujours une belle scène avec un bon son. Oui, il faut prendre toutes les occasions pour chanter. Vous êtes de Grenoble, me semble-t-il, non ? Oui, Voiron, exactement. Bon, c'est juste à côté. Ça aussi, vous êtes disponible, vous déplacez, en plus de votre talent, c'est plutôt pas mal. Voilà. Bah, c'est un métier qui demande des déplacements. Ben voilà. Tout à fait, mais ça fait pas peur. Et du talent, merci beaucoup. Merci infiniment à vous deux. On a rajouté un tout petit truc si c'est possible. On parlait de déplacements, on va faire beaucoup de déplacements ce mois-ci au mois de juin pour les concerts à Paris parce que nous serons au théâtre de l'île Saint-Louis chaque mercredi du mois de juin. Voilà, tous les mercredis à 21h, c'est pas très très cher, c'est 15€ la place si ça vous dit de venir. Ouais. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons dans ce théâtre et vous êtes cordialement invités. Théâtre de l'île Saint-Louis. Ah bien. Théâtre de l'île Saint-Louis. Voilà, parfait. On viendra vous voir. Ça sera un bon moment, aucun doute. Super. Merci à vous, les frères. Merci, Anthony. Un autre artiste, Anthony. Oui, alors, originaire des Hauts-de-France, l'artiste que je vous présente s'appelle Quentin Goncalves. Sa chanson s'intitule « Tu n'es plus » et on l'écoute maintenant. Personne qui t'emprisonne, personne, personne, y'a plus ces cris qui résonnent. Tu n'es plus à lui comme il disait, tu n'es plus sa vie ni son objet, tu n'es plus qu'à toi, à tes envies, tes apparats, tes ressentis. Tu n'es plus à qui te mépriser, tu n'es plus ses nuits ni ses journées, tu n'es plus qu'à toi, à tes avis. Tu ne subiras plus ces incendies. Bayonne, Bayonne, ces souvenirs qui te cognent. Oh, grogne, oui, grogne, douleur et peur qui fusionnent. Tu n'es plus à lui comme il disait, tu n'es plus sa vie ni son objet, tu n'es plus qu'à toi, à tes envies, à tes apparts, à tes ressentis. Tu n'es plus à qui te mépriser, tu n'es plus ses nuits ni ses journées, tu n'es plus qu'à toi, à tes avis. Tu ne subiras plus ces incendies. Te reste
qui rayonne, fredonne, fredonne. Cette mélodie qui te passionne. Tu n'es plus à lui comme il disait. Tu n'es plus sa vie ni son objet. Tu n'es plus qu'à toi, à tes envies, à tes apparts, à tes ressentis. Tu n'es plus à qui te mépriser. Tu n'es plus ses nuits ni ses journées. Tu n'es plus qu'à toi, à tes avis. Tu ne subiras plus ces incendies. Tu n'es plus à lui comme il disait. Tu n'es plus sa vie ni son jouet. Tu n'es plus qu'à toi, à tes envies, à tes apparts, à tes ressentis. Tu n'es plus à qui te mépriser. Tu n'es plus ses nuits ni ses journées. Tu n'es plus qu'à toi, à tes avis. Tu ne subiras plus ces incendies. Donne, oui donne. Bravo! Très sympa! On aime! Ouais. Merci, merci beaucoup! Bonsoir Quentin! Bonsoir! C'est toi que vous avez commencé le chant, j'ai pu voir, à 6 ans? Oui, exactement! C'est qui vous a permis de développer cette passion? C'était dans la famille? Alors oui, dans ma famille, il se trouve que. Ah, c'est souvent le cas! Voilà, oui. Mon arrière-grand-mère était chanteuse de cabaret. D'accord! Ah. Et j'ai aussi ma marraine qui chante. Donc je pense que c'est un peu issu de ces gènes-là, c'est plus du côté de ma maman. Mon père et ma mère ne chantent pas du tout, d'accord. Ils ne connaissent pas du tout la musique. Mais ils ont quand même soutenu. Mais en tout cas, ils m'ont toujours, c'est déjà important. Toujours soutenu dans la musique, ils m'ont toujours poussé à aller de l'avant dans ce domaine-là. Mm-hmm. Et voilà, je suis très content. Alors vous avez alors été dans différentes maîtrises qui vous ont amené à beaucoup voyager. Alors comment ça s'est passé? Alors en fait, c'est grâce à mon école primaire, il y a un prof de chant, enfin un chef de chœur qui est passé dans les classes de l'école primaire, mmh, avec un papier en disant qu'il y avait un casting d'organiser dans ma commune de Lambre-les-Douées, et il recherchait des choristes pour une maîtrise de petits chanteurs, une grande maîtrise de petits chanteurs. Et sans savoir vraiment si j'avais le talent et le potentiel pour le faire, je me suis inscrit à ce casting, je l'ai passé, et le chef de chœur m'a fait faire... quelques vocalises, et il se trouve que je lui ai beaucoup plu. Il trouvait qu'il y avait un grain de voix intéressant en moi, et il m'a dit bah, écoute, c'est un peu l'histoire des choristes. C'est un peu ça en fait. Ouais. C'est un peu ce qui s'est passé, c'est que il a écouté ma voix, et il a dit tu feras très bon soprano. Donc il m'a pris sous son aile, il m'a dit tu rentres dans la maîtrise, et j'ai démarré comme ça. Et oui, j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. Oui, puis il y en a une deuxième ensuite, c'est la maîtrise des Hauts-de-France à Lambersart. Alors en fait, ouais, le chef de chœur était aussi relié à la maîtrise des Hauts-de-France, à Lambersart, qui dirigeait aussi. Mmh. Et en fait, par la suite, j'ai pu faire connaissance de cette maîtrise avec laquelle je chantais aussi. Et j'ai eu la chance de partir aux États-Unis d'ailleurs avec cette maîtrise. République tchèque, en Pologne, en Italie. République tchèque, Pologne, Italie. C'était pas trop dur à tous ces voyages quand on est jeune, non? Parce qu'il y a l'école, il y a tout ça quand même. Alors oui, c'est vrai que c'était un emploi du temps très chargé. Mmh. Après, pour ce qui est de l'école, bon, parfois, évidemment, on s'organise. Il y avait des semaines de loupées, ou après, souvent, les voyages étaient organisés pendant les vacances scolaires, parce que le chef de chœur essayait toujours de faire en sorte que ça tombe pendant les vacances scolaires. Mais c'est vrai que parfois, il faut faire des concessions, et c'est jamais évident. Je vais partir et louper quelques jours d'école, oui. Alors, vos premières scènes, vous les décrochez suite à des concours de chant. Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que vous envisagez une carrière d'artiste ? Alors, en fait, une fois que j'ai quitté cette maîtrise, je me suis lancé dans les concours de chant. Et je me suis dit, en faisant ça... Je ne pensais pas de suite à me lancer là-dedans en solo. Je me suis dit, voilà, c'est qu'un passe-temps, c'est une passion. J'y vais pour chanter et rencontrer probablement des gens. Et après, c'est vrai que plus ça avançait et plus les personnes me soutenaient, me disaient de continuer, de toujours aller plus loin. Et même moi, je voyais les compliments s'enchaîner. Et je me suis dit, il faut soutiens, c'était des proches, des professionnels. Il y avait de tout. Il y avait surtout les proches, évidemment, mais aussi de professionnels. J'ai pu rencontrer beaucoup de chanteurs qui étaient déjà dans le métier, des intermittents de spectacle qui m'ont dit, il faut vraiment continuer. Quelque chose, t'as un potentiel, vas-y. Et ça m'a motivé à y aller. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'après, j'ai commencé à décrocher mes premières scènes et que j'ai accepté les demandes qu'on me proposait pour des plateaux radio ou des petits festivals dans certaines communes. D'accord. Et j'ai démarré comme ça en créant mes petits spectacles, en faisant mes propres setlists et où je reprenais diverses chansons. Alors, voilà. Votre particularité, Quentin, c'est que vous vous êtes fait connaître avec le répertoire de Grégory Lemarchal. Alors, est-ce que c'est tout à la fois une histoire de cœur ou un engagement pour une cause qui vous est chère ?
Alors, c'est les deux. En fait, Grégory Lemarchal, c'est celui qui m'a donné envie de chanter. Je l'ai vu comme beaucoup à la Starac. J'étais très jeune, mais j'ai regardé la Star Academy et j'écoutais ses chansons. J'ai regardé son spectacle à l'Olympia en 2006 et j'ai adoré. En fait, je voulais faire ce métier grâce à ça, grâce au fait de l'avoir vu sur scène. Et en fait, mes concours de chant, je les ai démarrés en reprenant ses chansons. Mon premier concours, je me rappelle, j'avais repris la chanson Accord perdu et j'ai ensuite chanté Écrit l'histoire sur beaucoup de concours. Et une chanson qui particulièrement m'a fait évoluer, ce n'est pas une chanson de lui, mais c'est une chanson qu'il a reprise à la Star Academy, c'est SOS d'intérieur en détresse de Daniel Balavoine. Et il se trouve que je la chantais dans mes spectacles, et c'est celle-là qui m'a propulsé aussi, qui m'a fait connaître, et j'ai remporté beaucoup de concours avec celle-ci. En fait, oui, Grégory Lemarchal, ce qui s'est passé, c'est qu'en reprenant ses chansons, un producteur a remarqué que j'avais un timbre de voix qui se rapprochait de lui, et il m'a dit pourquoi pas lancer un spectacle où tu reprendrais tout son répertoire. Donc j'ai aujourd'hui un tribute qui tourne avec des musiciens. D'accord. Où je reprends tout le répertoire et je suis bénévole de l'association Grégory Lemarchal. Donc c'est vraiment un tout est relié. En fait, vous êtes jeune, hein, vous avez 23 ans, mais ça fait déjà maintenant 5 ans que vous êtes produit par Divan Productions. Grâce notre à ami Chabarot. Voilà, c'est Frédéric Chabarot. Exactement. Alors vous avez fait des premières parties de quels artistes? Alors j'ai eu la chance de faire la première partie de Claudio Capeo, Amir, et Hélène Segarra, Black M. Avec Hélène Segarra, vous avez partagé le duo Vivo Perley. J'ai partagé un duo comme c'est ça, c'est pour ça. J'ai partagé le duo Vivo Perley avec Hélène Segarra à 4 reprises lors de sa tournée quand elle est venue dans le Nord. Et voilà, donc c'était une fierté, c'est une très grande fierté, c'est une très belle personne. Je pense que l'a rencontrée tous les deux et elle est très adorable et elle m'a accueilli vraiment à bras ouverts. Elle m'a bien conseillé. Non, franchement, une femme formidable et c'était un bonheur de partager ce duo parce que voilà, même sur scène, elle est aux petits soins et elle demande si tout va bien, tout se passe bien, si le son est bon. Donc vraiment, non, c'était un Black très bon moment. M aussi. Alors Black M, c'était la première partie à Arras, donc c'est là, c'était vraiment une de mes plus grosses scènes et c'est là où j'ai eu le plus grand nombre de public. J'ai chanté devant 30 000 personnes. C'est un autre univers quand même. Et c'est un autre univers. Ça a été bien accueilli. Alors justement, c'est là que j'ai pu aussi moi montrer mon vrai univers. C'est-à-dire que je suis dans un univers assez pop électro et à ce moment-là, j'ai vraiment repris des chansons et chanté mes chansons qui étaient plus pop électro. Et ça a vraiment plu au public et il se trouve que j'ai chanté des années 80 et ça a vraiment cartonné. On pourrait croire que le public de Black M va être réticent, et au final ça a été une déferlante de bras levés, de gens qui sautent, qui ont chanté avec moi. Ça a été vraiment un truc incroyable, c'était un bon moment et un beau souvenir que je garde en mémoire. Voilà, dans les dates toutes proches, ce lundi 6 juin à 17h, vous interpréterez les années tubes des années 80 à nos jours avec vos danseuses en première partie d'Amir à Trit-Saint-Léger, je pense avoir bien dit, c'est bien ça. Dans le département du Nord. Et vous êtes également sur la scène du Festival des Élysix le 11 juin à 20h dans le Parc des Champs-Élysées à Saint-Quentin dans l'Aisne, scène que vous partagerez notamment avec Claudio Capeo. C'est bien ça, une nouvelle fois. Oui. Donc voilà, ça va être à mon avis très intéressant de vous y voir. Un EP que vous venez de sortir à contresens, je montre la pochette, avec 5 titres. Parlez-nous un petit peu de cette EP qui vient de sortir. On va le montrer comme ça, voilà. Ah ouais. Je ne sais pas si on va. Ah ben voilà, ça change, bon, ça bouge, c'est pas grave. Alors cette EP, c'est le tout dernier, c'est le nouveau que j'ai sorti récemment. C'est un EP où, là pareil, j'ai voulu vraiment me lancer dans mon univers, lancer vraiment mon style, où je chante des chansons pop, assez électro. Mais, voilà. Dans le titre à contresens de quoi de ce qui s'est déjà fait. Alors moi je suis quelqu'un qui aime toujours aller de l'avant. Ouais. Peu importe ce que la critique, peu importe ce qu'on peut penser, ouais. Je suis une personne qui... Vous tracez. Qui, voilà, je trace, je prends plaisir. Et c'est pour ça, dans cette chanson, je précise qu'il faut toujours aller de l'avant, jamais à contresens, jamais se laisser envahir par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. C'est une philosophie. C'est une sorte de philosophie, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que je défends dans cette EP. Et il y a beaucoup de chansons avec la joie de vivre, qui parle du sourire, qui dit de ne pas avoir peur, toujours foncer. On en a besoin un peu aussi de tout ça. Voilà, surtout ça, croire en soi, c'est important. Bien. C'était aussi le message de Grégory aussi à l'époque. Et c'est aussi des messages que portait Grégory Lemarchal aussi, c'est vrai. Vous avez en effet un certain
caractère, on le voit, une personnalité. Vous êtes de quel signe? Parce que alors, monsieur est astrologue. Moi, je suis Capricorne. Ah, Capricorne, alors c'est quoi le Capricorne? C'est le signe de la réussite, comme on dit. Ah ben voilà. Sous c'est la signé. Planète de Saturne. C'est, voilà, c'est, on va vouloir tous être Capricorne. C'est le Capricorne qui grimpe sa montagne. En fait, petit à petit, il commence bas et il va au sommet, aux neiges éternelles, là-haut où il y a le soleil et où c'est magnifique. Mais vous approchez du soleil, en tout cas, parce que vraiment, ce que vous faites est très bien. C'est très gentil, voilà. Merci beaucoup. Alors, Quentin, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, notamment Facebook à Quentin Goncalves officiel, et c'est sur YouTube que l'on peut vous écouter à QG Cover. QG, Quentin Goncalves, c'est très original, voilà. C'est bien ça, et aussi sur les plateformes de streaming, vous pouvez vous retrouver sur Spotify, Deezer, à Contresens, et sur toutes les plateformes de streaming, vous avez juste à taper le titre et vous tomberez directement dessus, voilà. Voilà, c'est dit. Alors j'imagine que vous partez aussi en tournée avec Frédéric Chabarot. Oui, alors j'ai une très belle tournée qui est prévue pour moi. Et d'ailleurs, on parlait de camping. Et vous faites des campings aussi? Et je vais tourner dans plusieurs campings un peu partout en France. Ah oui, c'est donc, ça, c'est vraiment la grande mode. Hein, c'est la grande mode, c'est extraordinaire. C'est déjà la deuxième année où je suis. C'est la deuxième. Et il y a beaucoup de monde, j'imagine qu'il y a une ambiance extraordinaire avec des gros moyens. Voilà, on ressort de cette tournée avec le baume au cœur, le sourire, un peu le cafard, parce que c'est tellement des bons moments et le puis public ça passe est trop vite. Hein. Et ça passe très très vite. Voilà, c'est ça, on ne voit rien passer. On est au bord de la mer, on est dans des campings vraiment très accueillants et le public est en vacances, donc forcément veut s'amuser. Et quand on leur propose des années 80, et des tubes d'aujourd'hui, ils sont toujours. Est-ce que vous avez une couverture médiatique régionale ou locale lorsqu'on passe comme ça, parce qu'un camping c'est quand même fermé. Malgré tout, est-ce que vous avez sur le plan médiatique des la presse quotidienne, la presse qui suit? Alors ça, non, pas du tout. Non, bon, enfin, vous avez le public, puisque le public est là, c'est le public de camping. Il y a comme le festival Les Élysées, là justement, qui font une bonne promotion sur les artistes. Là, par contre, la presse est présente. Là, il y aura la presse qui sera présente et il y a une très très belle com qui est faite. D'ailleurs, des vidéos qu'on a dû envoyer, il y a une belle pub qui a été transmise. Leur objectif, justement, c'est de mettre en avant des nouveaux talents et vraiment de les promouvoir. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est la deuxième année que je fais les Élysées. Et l'année, je l'ai fait avant Covid, c'était il y a peut-être 4-5 ans, où j'avais été juste en première partie de Thal aux Élysées. Donc c'est la deuxième fois que je participe aux Élysées. Et là, ça sera Claudio Capéo qui sera avec vous sur scène. Voilà. Exactement. Ben, on vous souhaite vraiment une belle tournée, comme vous, les amis. Vraiment, vous êtes formidables. Hein. Jess and Wes également. C'était vraiment un bonheur de vous avoir sur ce plateau, de vous faire connaître aussi. Hein. C'est un plus, c'est très important. Voilà. Ça passe vite, hein, avec toutes ces bonnes recettes, avec notre ami qui est venu aussi, Sylvana Lorenz, avec Madame Cardin. Voilà. Hein, il faut absolument acheter ce livre. Vous allez vous régaler. Et je tiens à remercier aussi Dominique Paravano, notre ami journaliste. Il y avait les mises en scène gourmandes de David Rébier. Vous pouvez les applaudir, bien sûr. L'incroyable Vartoche, avec dans la caboche de Vartoche, mais voilà. Les blabla d'Aurore, notre coach love. Les tremplins des talents, bien sûr, avec Anthony. Merci. Et je remercie donc Jason West et Quentin Goncalves donc d'être venus ce soir. Et puis Tiad, qui est venu également nous rendre visite. Merci beaucoup, Tiad. À la technique, il est là, toujours là, présent, fidèle, Kenny avec toute son équipe, merci beaucoup. Eric Durand pour tout ce qui est communication, merci Eric, c'est très important. Nous avions aussi Rabat qui est le directeur quand même de l'antenne et qui nous fait confiance depuis... bon nombre de mois maintenant. Philippe Langonnet, bien sûr, tout ce qui est reportage photo. Voilà, j'espère que je n'ai oublié Christian personne. Christian Lebon, peut-être. Christian Lebon, bien sûr. Chers amis, le temps passe vite, mais voilà, c'est le moment de nous quitter. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités. On passera toujours de bons moments parce que Armada, c'est une radio pas comme les autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous regarder. Et on vous dit à très vite. On vous aime. Au revoir. Au revoir.